Radio Kiskeya, il fait 4 heures. Journal 4 heures. 4 heures chaque après-midi sur Radio Kiskeya. Journal 4 heures, un seul journal à l'ESA dans tout pays. Journal 4 heures, nouvelle totale. Nous disons tout le monde bonsoir, puis pour information, nous allons pour nous développer pour après-midi dans le journal ça, sans parlement, à un gouvernement de facto. Jovenel Moïse Apsigé, lui-même avec Joseph Jout, yo déclaré dans un conseil des ministres, yo bay pays a un budget 254 milliards goud. Ancien président commission finance dans 50e législature, député Aoudon Bien-Aimé, pas bay budget ça en quelle importance d'après ça déclaré dans Mikon. C'est dans le contexte ça, gagnent un groupe ancien parlementaire qui relait tête groupe ancien parlementaire pour équilibre politique et stabilité pays a GAPESP et annoncé yo créé d'après ça yo fait connaître pour faire équilibre entre pouvoir et opposition mais en pile dans parlementaire ça yo c'est des anciens proches ou bien de membres et pouvoir tête cadre opposition pour Jovenel Moïse qui était pouvoir dans la constitution prévoit d'après ça yo déclaré journée jeudi a yo dit avec dernière décision li prend yo li vinn gen en urgence pour chaque jour plus pour monsieur quitter tête pays. Yon membre comité suivi yo qui s'est écrivain Evelyne Trouyo salue tout dirigeant politique, tout représentant société civile là qui pote coller et dit yo toujours l'ouvrir depuis moun pas d'accord avec ça qui passe dans pays a pour corriger mouvement ça. Écrivain Lionel Trouyo qui te prend initiative là prend la parole dans occasion conférence pour la presse ça. Et puis, à représentant de l'autre secteur, tant qu'au Kadoa, ancien député Vickerson Garnier, à Kantou et dirigeant parti politique, nous là, docteur Louis Gérald Gilles, pour nous citer, et Mounsa seulement qui t'a parlé pendant conférence pour la presse, ça, qui dénonçait dernière initiative Jovenel Moïse. Là. Et puis, gagnant tout, divers secteurs continuent à exprimer. Par exemple, nous gagnons secteur syndical, nous gagnons tout et culte réformé avec handicapé qui fait qu'on n'a pas gagné représentant dans le conseil électoral provisoire Jovenel Moïse et mettait campé sous pied. Toujours concernant situation politique pays, deux parlementaires, anciens sénateurs et sénateur Ronald Larèche, ancien président Sénat, avec Depuis Chérubin, exprimé sous crise non. Et selon sénateur Larèche, pourquoi gen conseil électoral provisoire li parle en faveur yon dialogue, un vrai dialogue entre exécutif la classe politique là pour sortir pays nan impasse liye a. Alors que pour depuis Chérubin et il dit et pouvoir tête calé avec Jovenel Moïse vin compliquer situation à conseil électoral ça que le mettait campé et sous pied. Ancien député CRK Kavala, Antoine Aoudon Bien-Aimé, dénoncé KEP Jovenel Moïse. Non? Dirigeant ENA fait connaître Jovenel Moïse, monté KEP ça, et pour lui-même qui est mort-né, qui fait tout mourir, il n'est pas capable de porter aucun résultat. Il dit c'est pour le satisfaire ambassadrice américaine Michelle Sisson, avec un dirigeant en Binuyan, Madame Laligne, qui fait prendre décision ça des la loi. Juge instruction Renaud Régis tendait policier Jean-Pascal Alexandre qui était jeune libération semaine passée et nous connaît qui ça t'a provoqué dans mitan policier manifestation avec violence et une avocat c'est maître André Michel l'a gain pour porter plus précision et concernant convocation ça et client n'a te joindre dans main juge instruction ça qui nous connaît tout et commissaire gouvernement et AI Port-au-Prince non maintenant du Carmel et Gabriel et qui rencontrer la presse qui parlait de lancement opération qu'a fait 6 octobre sans prendre souffle d'après ça dit et pour retirer et monde qui est en prison yo et pour libérer prison yo qui est chargé ak monde et dans cadre ça yo relé détention préventive prolongée et puis et même commissaire gouvernement fait qu'on est là chercher pour joindre qui est-ce moun et qui t'est menacé et qui t'est maltraité journaliste téléguinéen Samuel Dalman haïtien AK lancé journée jeudi à Port-au-Prince activité pour marquer
et moi créole là langue à culture créole là dans pays là. Dans actualité internationale là nous pral font coup de jet sous Covid 19 là qui a secoué l'Europe là sérieusement, quitte c'est l'Espagne, quitte c'est l'Italie, Grande-Bretagne semble faire un petit souffle mais toute l'autre ont enregistré en pile cas. Pour l'Espagne c'est 9419 nouveaux cas, Italie 2000 nouveaux cas. Bien que te dit italien yo te très traumatisé après Covid là, yo te très discipliné mais li recommencer encore à bay problème. Et pour qui ça gen tout temps ça qui obligé joindre avant pour gagner un vaccin, c'est question ça qui a posé. Et puis l'autre point dans actualité a bien sûr c'est élection américaine yo côté commission qui en chargé pour organiser débat et entre candidats yo a metté une série de mesures pour empêcher ça qui t'est passé à arriver. Et plusieurs milliers irakiens étaient dans la rue journée aujourd'hui pour célébrer premier anniversaire ça que considéré comme révolution yo. Et puis la Chine a célébré 71 ans depuis la Chine populaire a existé. Minorité yo dans la Chine a essayé fait en des voyaux et particulièrement opposition qui gagnait dans territoire Hong Kong nan, a tenté pour relancer mobilisation. Ces informations ça y a quand pilote nous va gagner pour développer pour après-midi dans journal ça. Sans parlement ak yon gouvernement de facto pouvoir tête Kalia qui gagne en tête Jovenel Moïse ak Joseph Jout annoncé pays dans conseil des ministres décidé un nouveau budget plusieurs milliards gourdes qui vaut environ 4 milliards de dollars américains. Ancien président commission finance dans chambre député dans 50e législature Antoine Aoudo bien-aimé et dans micro non déclaré pas bay budget ça en quelle importance pour lui-même son bon chiffre et gouvernement prend le monter pile sous pile pour faire un bourrage de chiffres li croit pouvoir vler n'a cité bluffer population à travers soi-disant nouveau budget ça n'a tendé ancien député Aoudo bien-aimé et ancien président commission finance dans chambre député a dans 50e nan qui t'a parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Nous capable dit première réaction bien que nous pour gagner budget nan men nous li pour publier mais nous capable dit c'est un bourrage de chiffres en pile fois yo bluffé pays a nan zigon enveloppe x ou bien y montant qui alloué à pays a et à la fin de l'exercice yo pas jambe bay effectivement combien qui est rentré la donne ni qui côté yo fait ni qui route yo fait moi-même moi étonné ouais grosse enveloppe ça m'a demandé est-ce que c'est pression fiscale là qui augmente comme ça parce que beaucoup côté yo pour le faire parce que les mal gardé pour moi et ça qui dit yo chiffre yo plus passer 254 milliards on pense que c'est un bourrage de chiffres pour tromper vigilance mondiale et peu importe il a 250 milliards comment comme ça ventiler comment le ventiler voisin moyen qui ça y est parce que beaucoup garder et est-ce que c'est pression fiscale là qui augmente moi même j'ai encore qu'à sauter qu'aime qui sauter là c'est parce que pour bourrage de chiffres ça yo habitué faire déjà et puis recette yo qui compte pas au rendez-vous et à la fin de l'exercice ou pas jamais un résultat escompté. Voilà ancien président commission finance dans chambre député Aoudo bien-aimé dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Conférence pour la presse comité suivi cérémonie déclaration 21 d'août lan et membre comité suivi cérémonie et qui était fait cérémonie ça jouté 21 d'août lan yo renouvelé journée jodi a engagement yo pour yo travail pour capable joindre un accord national d'après ça yo dit pour organiser une véritable transition et ak pour Jovenel Moïse quitter pouvoir qui vient tourner yon urgence surtout ak dernier action que li fait dans tête pays a et d'après ça écrivain Evelyne Trouyo déclaré dans conférence pour la presse qui c'est membre comité suivi a Evelyne Trouyo qui fait partie de l'organisation Radi et saluer tout dirigeant politique ak représentant société civile là qui croient dans l'idée tête ensemble pour capable couper projet dictatorial Jovenel Moïse gagnant pour tabli nan pays. Madame Trouyo dit c'est un petit point monde qui voulait rider pour dictature ça installer définitivement dans pays. Konsa li mande tout monde
qui était déjà engagé dans vieux projet ça et même et si yo changé l'idée si yo prend courage yo et pour exprimer position yo à clair publiquement et li mandé tout l'autre groupe qui gagne proposition et pour faire main contre à quand signataire déclaration 21 d'août yo dans l'idée pour capable faire une seule proposition qui pral déboucher sur un accord final. Bref, faut que moi retourner son parti dans ça me saute là. Demander tout le monde qui était déjà engagé dans vieux projet ça et mais qui vient changer l'idée, qui prend courage yo pour exprimer position yo à clair publiquement. Alors il dit que c'est un seul ramasser qui doit faire pour porter avec initiative 21 d'août là pour mener pays à son autre rail pour gagner un accord final en tout secteur qui veut changement dans pays. N'attendez écrivaine Evelyn Trouillot dans conférence pour la presse. Jean politique à représentant société civile là dans salle là. Nous remercions pour geste symbolique ça qui montrait à clair ces pays qui veut qui fait une contre folie dictature. Et qui parle pour nous tous défendre l'accord qui va sortir dans la discussion à proposition qui existait déjà. Il y a quelques haïtiens qui semblaient avoir perdu confiance dans le pays. Ce n'est pas nous. Nous avons confiance dans le pays. Il y a quelques haïtiens qui voulaient mettre division société civile, secteur politique. Ce n'est pas nous. Solution, c'est nous tous qui pouvons porter ensemble. Il y a quelques haïtiens qui ont fait battre sur parole. Nous souhaitons par un groupe comme ça dans l'Assemblée si à fait. Déclaration 21 d'août. Il y a quelques haïtiens qui semblaient ne pas comprendre la dictature capable de gagner dans un moment, mais il va gagner dans nous. Je dis à ces professeurs méridiens, ces gens qui ont protesté, ces militants dans le quartier populaire, ces entrepreneurs pouvoir raillir pour raison personnelle. Demain, c'est capable n'importe qui monde. Je dis à ces pays qui font opposition contre une dictature qui veut installer. Si nous quittons l'installer, nous payons l'accent, nous payons la dignité citoyenne, nous perdons. Nous payons la toute institution dans le pays qui a été écrasée. Je dis à l'arrivée pour décanter la fête, un petit point de monde qui veut aider l'État installer à 13 pays qui a combattu. Nous lançons un appel pour tout le monde qui est engagé dans le mauvais chemin de l'État qui veut prendre distance à lui pour ramasser le courage avec des mains. Exprimer position publiquement. Laissez-le, il y a participer au travail collectif pour faire le pays avancer. Dans l'affaire dictative, pas de neutre. Tout net, c'est complice. Si vous avez des amis, nos familles, nos partenaires, qui jouent les neutres, faites changer ça. Les dictatures qui cherchent à installer, pas de neutre. Tout net, c'est complice qui est capable d'une victime demain matin, même Jacques tout le monde. Nous renouvelons l'appel pour tous les citoyens à terre, déclaration 21 d'août. 2020, pour l'autre groupe qui a travaillé sur proposition sous bois par eux, verser toute proposition par le comité suivi à la commission qui a travaillé sur proposition pour l'accord final. Pour nous travailler l'année pour la journée, vivre dans la semaine qui a venu, sur un accord, nous tous à camper derrière. Vive Haïti, vive déclaration 21 d'août là, vive accord final qui doit sortir dans la semaine qui a venu pour remettre le pays à sur chemin progrès avec démocratie. Voilà, c'est écrivain Evelyn Touyo qui m'a des monde qui était engagé dans vieux projet à conti point un monde qui voulait établir dictature qui prend distance à vieux projet ça pour prendre courage avec deux mains pour exprimer position à clair publiquement. Il parlait tout de nécessité une gros tête ensemble. Ancien député Tiot Vickerson Garnier qui membre collectif ancien député opposition ak allié dans organisation les Kadoa et qui signe déclaration 21 d'août lan, li parle de plus que 300 organisations sociales, politiques et syndicales qui mettaient signature en bas document ça, sans oublier personnalité dans société civile là qui était signé déclaration 21 d'août lan. Ancien parlementaire dit a continuer rassembler proposition pour fondre tout ensemble pour venir tourner une seule proposition qui pourra servir base accord final là. Bon côté parle dirigeant politique ancien sénateur docteur Louis Gérald Gilles dirigeant parti politique nous là rappeler et nécessité pour tout monde qui pas d'accord avec projet dictatorial Jovenel Moïse avec équipe PHTK mettez tête ensemble pour pita papitrice pour pays.
Yon après l'autre, n'a pas ancien député Vickerson Garnier, ak dirigeant nous là, docteur Louis Gérald Gilles. On a plus de 300 organisations sociales et syndicales, politiques, et nous avons des individus, des personnalités en la société qui ont même engagé dans le travail ça, et que différentes propositions qui gagnent là, que ce soit qui est fait par le secteur démocratique, par IPAM, par et différents groupes qui ont fait propositions, différentes propositions, ça va nous commencer à recueillir et nous travaillons pour nous d'arrache-pied et éventuellement l'autre acteur va venir avec l'autre proposition pour que nous soyons capables de synthétiser les propositions uniques et proposition unique, ça c'est à travers et sous lui-même nous allons élaborer à l'accord final que nous avons parlé. Nous-mêmes nous arrêtons nous-mêmes la clé, faire par ici, toute organisation dans la société civile, ça. Organisation politique, que pisse gaye, pas kime. Chaque action politique a posé, c'est pour toujours songer ça. Pisse gaye, pas kime, et que adversaire à lui-même, c'est sous ça l'a joué. C'est là nous porter plusieurs propositions éparses, plusieurs propositions qui font qu'on rencontre l'on seul côté, yo joué sur ça, pour même essayer d'accoucher ou bien bailler. Projet dictatorial au second souffle. Nous étions prêts, c'est l'accord ça que, au niveau comité suivi, nous avons encouragé toute structure pour mettre tête ensemble. Bien qu'à accepter perdu nos propositions, bien qu'à accepter de retirer l'emploi, de mettre sous parole pour nous jouer un accord final pour nous proposer à la nation. Ça fait une bonne cacophonie pour qu'on ait une idée qui est claire, c'est parce que nous, au niveau de l'organisation politique, l'organisation société civile, nous pouvons proposer à la population une idée qui est claire. Le seul bagage qui dégage la caillou, c'est chercher un accord national entre nous-mêmes qui n'est pas d'accord avec ça où il a proposé nous là. Il parle l'autre bagage. C'est un pays si nous-mêmes nous avons tête ensemble pour nous dire halte là à titre de pouvoir. Et bien, il a fait tout ça bien qu'on fait avec force internationale qui a back-up, pour essayer d'imposer nos bagages. Et je répète, le texte là, il était clair. Moun qui neutre, qui dit aujourd'hui, il a suivi, c'est héros après, demain, si accident, ou ouais, a dit, arrivé là. Accident, ouais, par exemple, qui vivait maintenant Val. Accident, ouais, qui voulait vivre Josué Mérilien, il a bloqué là. Si accident, ça a privé nous tous. Si nous ne pas comprendre, c'est notre tête ensemble pour nous jouer un accord national pour une population prenne confiance en nous. Voilà, docteur Louis Gérald Gilles, avant ça, c'est ancien député 50e législature Vickerson Garnier, sous Bopal, principal initiateur des massas, qui rivait abouti à déclaration 21 d'août, écrivain Lionel Trouillot, dit comité suivi a pris engagement pour travail, pour rassembler tout ça qui est bon. Dans chaque proposition qui fait yo pour faire fond yo faire un seul texte qui ca mettre tout monde d'accord. Il dit il souhaitait travail ça fini dans semaine qui a venir là parce que d'après ça il dit peuple pas capable d'attendre encore. N'a attendre écrivain Lionel Trouillot toujours dans conférence pour la presse. Comité suivi avec commission qui prend le travail sous justement une synthèse à partir de toute proposition. Ce n'est pas eux qui sont acteurs à quoi. Acteurs à quoi, c'est l'organisation politique et en pile qui déjà travaille sur proposition. C'est l'organisation société civile qui déjà travaille sur proposition. Réalité, on n'a pas besoin de mettre tête pour nous dire. Toute proposition, ça a eu en pile bagage qui est bon. Mais pas aucun moyen, je dis, au monde va attendre pourquoi les dit même proposition pas moi. Donc, seule solution, c'est fondre proposition ça. Pour tout le monde accepter, sous telle idée, il faut mettre un bout. Parce que fondre une bagaille qui satisfait nous tous à un niveau qui fait capable d'avancer ensemble. Donc, Dieu, comme il est suivi ça, c'est simplement, je dis simplement dans la réalité compliquée, parce que c'est un peu le monde, c'est un peu de proposition.
c'est en pile d'énergie, mais job là c'est simplement faire que toute proposition ça y est, toute porte proposition ça y est, cachita ensemble. C'est pas plus lié. Et pour question de l'air, le bon travail qu'a fait sous vote démocratique, ça, avec un pile participant. Évidemment, on va pas dire demain la fin. Cela dit, nous avons attendu que nos textes communautés à l'IA, pour nous-mêmes, sont bagages qui nous fait dans ce même cas finir pour les arriver à une proposition. Parce que dans le contexte à l'IA, pays n'a pas qu'à attendre, peuple à mon souffle plus chaud, il n'y a pas qu'à attendre. Voilà, c'était conférence pour la presse comité suivi déclaration 21 d'août non et sous et crise politique qui a souqué pays sous nécessité pour gagner yon tête ensemble d'après ça dit pour retirer pays dans sa lier. Pendant ce temps ça gagner yon groupe ancien parlementaire proche pouvoir qui était dans majorité dans 50e législature non et qui annonçait de former un groupe ancien parlementaire pour équilibre politique et stabilité dans le pays et GAPES et c'est non instrument politique tout neuf ça yo bay tête yo d'après ça yo dit une série ancien parlementaire proche pouvoir tête Kalea et qui paraît initiative ça hier et groupe ça gagne la donne de anciens députés tankou et Francis Delacour, Saint-Pierre Jude Destiné, Richard Paul Oliva, Raymond Rival, Luberne Pierre, Profane Victor, Praï Cyprien, Jean Widner Jean, Joseph Benoît Laguerre et ben tout gain Jean Wilson Hippolyte donc yo plusieurs qui signaient déclaration ça qui mettait nouveau structure ça campé sous pied dit pour servir n'a cité comme outil pour bailler démocratie en jarrette et puis permettre pays à sortir dans turbulence politique. Ancien parlementaire Léo Gannan profite et mandé tout acteur politique yo et quitte dans pouvoir, quitte dans opposition et ak acteur dans société civile là pour yo chita parler ensemble dans l'idée pour joindre une solution dans crise qui a pas fini pays sans yo pas prononcer yo sous dernier action Jovenel Moïse sot fait là qui vient compliquer situation n'attendait ancien député Léo Gannan qui était lié en bannière PHTK Jean Wilson Hippolyte qui ont très proche pouvoir qui était parlé comme ça dans Mikoun. Les sous-signés ont décidé de mettre sur pied une structure dénommée groupe des anciens parlementaires pour l'équilibre politique et la stabilité du pays CAPES. Cette structure a vocation socio-politique a pour mission de maintenir tous les moyens de la vocation démocratique et républicaine du pays. En ce sens, formellement à la Constitution et aux lois de la République, nous, les signataires de la présente, sommes déterminés à rester solidaires en vue de la sauvegarde des acquis démocratiques afin de répondre aux aspirations du peuple pour la recherche d'un équilibre social, politique et économique à tous les niveaux. Dans le but d'éviter toute dérive dans la conduite de la politique haïtienne, tant du côté du pouvoir que celui de l'opposition, cette structure mise en place se veut un pont d'équilibre aux fins de protéger les institutions démocratiques et aider du même coup le pays à sortir des turbulences politiques qui menacent non seulement l'avenir de la nation, mais aussi notre existence de peuple au niveau du concert des nations. À l'heure actuelle, Haïti représente le seul pays moins avancé du continent américain. Trop longtemps, nous sommes restés dans les idées du passé qui nous attachent à des velléités incertaines qui ne font plus honneur à notre historique et glorieux, à notre passé historique et glorieux. La philosophie de coupe-tête Boulekaï n'est plus de mise à l'aube du 21e siècle. Nous pensons qu'il faut changer de paradigme. Le moment est venu pour nous, dignes fils et filles de cette terre sacrée, de nous montrer à la hauteur de notre tâche, afin de tourner définitivement la page de la déstabilisation politique du pays et entrer de manière irréversible dans l'ère du développement durable et contribuer à un avenir prometteur pour les générations futures. En conséquence, le groupe des anciens parlementaires pour l'équilibre politique et la stabilité du pays, CAPES, demande aux instances du pouvoir, celles de l'opposition et de la société civile, se mettre ensemble en vue de trouver
un dialogue constructif, une issue heureuse à la crise qui sévit dans le pays depuis plusieurs décennies. Voilà, alors c'est ancien député Léo Gannan, Jean-Wilson Hippolyte, qui t'a fait présentation et justifié décision il prend pour monter organisation ça, qui c'est un regroupement ancien parlementaire pour équilibre politique et stabilité dans le pays, GAPES. Et nous connaissons parlementaire dans la 50e législature, et puis fort c'était tête calée au théâtre. Qui c'est dans la Chambre des députés, qui c'est dans le Sénat. D'ailleurs, pas de grand souci pour te doter pays à la 51e législature, puisque tu es boycotté, commission qui a travaillé sous amendement constitution, directeur de l'État dirigé. Et en plus de ça, tout, nous connaissons toute manœuvre qui fait, tout poté collé. Par exemple, pour te mettre M. Jean-Rissé en grand bonheur dans le matin à terre, et puis léguer l'autre dossier. Yo calmé de sou yo, nous songe tout qui gens yo te rivé kwape rapidement tentative pour te mettre Jovenel Moïse en accusation pour te passer devant haute cour de justice que quelques députés qui dans opposition courageusement te tan main des massa. Bon bref, nous connaît, c'était un outil politique pouvoir tête calé a et qui te gagné comme objectif contribuer pour mener nous côté nous yé journée jodi ça veut dire un pays qui pas fonctionner démocratiquement. Institution, Constitution 1987, qui c'est une nouvelle république démocratique qui crée, il y a tout pratiquement presque en panne. D'abord, Parlement qui pas capable fonctionner puisque pas gagné élection qui était faite hein, pour renouveler et Parlement pour 51e législature est entré en fonction. C'est 10 sénateurs seulement qui dans le Sénat n'ont pas même consulté ou même aller voir. Pour ta mettre et comme si pour ta faire passer comme un groupe de sages qui t'a là bon côté pouvoir et de pas gain bail comme ça. Après ça toute l'autre institution yo gain difficulté pour fonctionner. Deux trois qui bail des trois petits signal qui parlent directement et dans intérêt pouvoir tant que par exemple la cour de cassation sur question prestation serment conseil électoral là ouais en bas qui pression ou bien et la cour supérieure des comptes. Donc et c'est un pays qui gon seul pouvoir qui a fonctionné et c'est pouvoir président ak un gouvernement de facto li gagnen qui fait sale pito dans pays. Donc voilà, c'est une caricature et de et démocratie Haïti tourné. Gen conférence en pasteur haïtien yo COPA et conseil exécutif conférence pasteur haïtien yo COPA qui dit li condamné à toute force li manœuvre division et qui orchestré de certains proches pouvoirs orchestré avec moun k'ap supporter choix et pasteur Guy Roméus comme représentant culte réformé dans conseil électoral provisoire et anticonstitutionnel illégitime ça d'après sa note l'en précisé conférence pasteur haïtien yo dit le regrette pour le que individu qui gagne mauvaise idée dans tête yo décidé pour yo mettre camper sous pied organisation bidon qui gagne qui semblait à organisation paywa COPA et yo bal même sig COPA tout et son manœuvre désespéré et malhonnête qui visait pour créer confusion dans opinion publique là pour capable et crédibiliser démarche yo pour cautionner et l'inacceptable. Donc conseil exécutif conférence en pasteur haïtien quoi publication yon note comme ça pour supporter et pasteur Sodia qui a diffusé sur réseau social le acte dans journal le nouveliste dans date 29 septembre 2021 nan non COPA entraînant cadre yon machination politique objectif li c'est pour sale image institution ça qui crédible qui là depuis plus que 20 ans dans pays a. Pour raison ça, conseil exécutif conférence pasteur haïtien voulait pour le rappeler communauté haïtienne en général et secteur protestant haïtien en particulier, COPA institution ça qui ba tête li mission pour le travail pour faire promotion yon l'évangile qui gagne plusieurs dimensions ak justice dans pays d'Haïti, li même li pa gagne rien pour l'ouais ak nomination quel que l'on soit moun qui t'a dit le représenter culte réformé dans conseil électoral provisoire contester ça conférence en pasteur haïtien yo
yo continuer quoi condition pour permettre un bon genre élection crédible qui pour organiser dans pays a pour cola et élection yo doit sortir dans un consensus largement large à travers un accord politique en tout un secteur qui concerne yo. Et c'est révérend pasteur Ismaël Baptiste, secrétaire exécutif, et qui signe dans nom et pasteur Ernst et pasteur Ernst et Pierre Vincent, président tout sien. Voilà. Et puis gagnant toujours concernant même dossier nomination ça yo, position secteur syndical là sous KEP Zamitaïsa et Confédération Travailleurs Haïtiens CTH, Confédération Travailleurs Secteur Public et Privé CTSP, Centrale Nationale Ouvrier Haïtien CNOA, ak Intersyndical Premier Mai Bataille Ouvrier ESPMBO, ap profiter informer toute population haïtienne non ak communauté internationale là et quelques raisons valables qui fait nous pas participer dans montée conseil électoral provisoire ça tant coup Jean et ancien membre KEPO et ak tout l'autre secteur dans société a centrale syndicale yo te mandé pour gagner un dialogue et qui met tout pour la donne exclusive pour dériver dans un accord politique qui était capable rendre processus électoral la possible et qui t'a permettre gagner instabilité politique et socio-économique dans pays. Nous constater dans tout quartier populaire yo côté gros électorat chita c'est gang armé qui proche pouvoir qui monte tant yo c'est eux même qui a fait la loi. Ça veut dire aucun autre candidat pas capable entrer pour mener campagne électorale dans zone ça yo. Troisièmement, gagne un climat insécurité généralisé dans tout pays a qui crée la pérèse dans mitan population, ça c'est un handicap majeur pour réaliser élection yo. Centrale syndicale ça yo pas saisi l'entendé et président Jovenel Moïse sans réfléchir décider choisir moun sa yo comme membre conseil électoral provisoire dans moment tête chargé ça parce que t'es déjà dit quelque l'en soit gens élection faite dans pays a c'est lui même qui a gagné ça veut dire li connaît c'est ak yon KEP ti zanmi li pral faire élection mais centrale syndicale qui signe note ça qui c'est CTH et CTSP CNOA ak ESPMBO yo saisi ouais président bay KEP zanmita ilia mission pour réaliser référendum sur constitution ça veut dire président Jovenel Moïse pas faire élection vraie parce que mission ça KEP a pas jamais capable réaliser le vrai et puis tout c'est sous constitution ça président te prêté serment qu'on y là livré pour le changer qui intérêt président Jovenel Moïse gagné qui fait livré pour le changer maman loi pays a qui ça démarche ça caché derrière qui ça derrière projet ça c'est question ça central syndical lui poser n'a rappelé constitution dit clairement comment pour y amender ça montré président Jovenel Moïse pas dans constitution ces affaires pouvoir gros point li la régler CTH CTSP CNOA AK et ESPMBO a fait toute société à connaître monsieur Patrick Numa pas représenté secteur syndical là ni de près ni de loin en dedans conseil électoral ça d'ailleurs tout moun wè clair KEP ça inconstitutionnel li illégal li arbitraire li antidémocratique li entre dans logique président qui pas tande raison mais qui voulait établir un régime dictatorial dans pays un régime boudu central syndical ça yo a tout profité mandé la cour supérieure des comptes pour pas bail suite favorable sous affaire l'argent pour KEP ça parce que processus ak procédure qui pouvait faire yo entrer en fonction pas respecté et pour finir CTH CTSP CNOA ak ESPMBO a demandé tout acteur dans société civile là toute organisation socio-professionnelle yo tout leader conséquent ak tout citoyen qui senti yo indigné
yo estomaqué qui senti la vie yo menacé dans tout sens qui pa vle accepter l'inacceptable nan jan peyi a ap dégringolé a c'est pour yo prend conscience ramasser caractère yo mettre tête ensemble pour nous faire un front commun pour nous capable courir derrière tout monde qui vle l'esprit démon dictature dans tête qui a danser dans tête yo tabi dans pays a c'est dans unité seulement ak toute force progressiste yo ka retirer pays a dans la boue senti lié là d'après ça organisation syndicale yo précisé vive lutte travailleur yo vive lutte peuple haïtien nan bataille populaire yo pas capable touyer tout moun et c'est Yvel Admettre secrétaire général CTSP Dominique Saint-Éloi coordonnateur général CNOA et monsieur Télémaque Pierre syndicaliste coordonnateur et Placide ESPMBO et ak monsieur René Préville Joseph secrétaire général CTH qui signe donc pas gen représentant dans conseil électoral provisoire Jovenel Moïse donc gen tout yon organisation ça c'est concerné moun handicapé yo mais ça le dit mouvement voix moun ki handicapé engagé pour liberté ak démocratie paraît note pour la presse mais ça le dit nous même organisation qui regroupé dans MV Mald nous saluer la presse etc et tout moun yon nan gwo moso nan secteur moun handicapé yo dit saisi tande met Alex Noël représenté nan conseil électoral là nous même nan secteur ça nous pas ka di nous pas reconnaître met Alex Noël nous reconnaître li comme yon militant yon avocat comme directeur exécutif nan secrétaire d'état pour affaires moun handicapé mais pas de gain ken entente ni consensus pour secteur a pour ta représenter nous en dedans conseil électoral là et ça c'est décision madame Soinette Désir qui c'est secrétaire d'état pour intégration monde handicapé qui fait choix sans consentement tout secteur notre la cap parler toujours nous même dans secteur a nous pas gain représentant dans conseil électoral ça qui en chargé qui chargé à action inconstitutionnelle qui pas cadré avec maman loi pays a nous mandé pour mettre Alex Noël sorti dans boubier la boussa qui c'est une honte pour pays a monde handicapé victime stigmatisation injustice sociale et côté et nous vini pi pauvre et puis pi vulnérable pas gagne une politique nationale qui bien définie pour monde handicapé capable intégrer tout bon vrai la vie nationale là dans pays a qui chargé avec insécurité tout partout et côté pas ka marcher ou pas capable circuler violence à crime fait quelqu'un et c'est yo kapta e banda tout partout dans pays a nous même handicapé situation insécurité a nous pas exempt de li qui a frappé pays a de façon générale à crime d'état qui établi dans pays a nous même dans secteur panon nous prêt et pour nal voter nous pas pral participer dans élection malachon nous pas pral en conseil électoral qui décrié et tout secteur levé campé contre lui ak un gouvernement qui pas respecté constitution paysan qui chargé à corruption et qui gagne trempé dans tout massacre qui a fait dans quartier populaire nous même nous pas participer dans genre de élection ça yo même là nous prêt pour nous participer dans bon genre élection nous profiter mande justice pour mettre Dorval côté assassin sans foi ni loi assassiné dans condition nous tout connaît alors organisation dit yo pas participer dans élection ak Jovenel Moïse ni PHTK et nous mandé mettre Alex Noël pour sortir dans conseil électoral ça que qualifié de créy conseil électoral et qui montait derrière do la loi MV Mald dit vive yon pays libre vive peuple haïtien gagne signature ça qui emballe gagne centre national cap défendre monde handicapé c'est Cosi Samuel et organisation pour avancement jeunesse OPAJ responsable c'est l'ami Clifford et ASHS association monde handicapé dans sud-est responsable c'est Anofen Louis AHS association monde handicapé dans sud responsable c'est Rosaline Pierre
RFH, Réseau Femmes Handicapées, Fernande Bélizère, et puis Ligue des Jeunes Handicapés, Saül François. N'attendez responsable d'une organisation, Kossi Samuel, qui te parle comme ça dans le micro. Nous-mêmes, en dans le secteur handicapé, qui regroupe plusieurs associations et organisations, nous saisis, nous tendons à mettre Alex Noël, représenté un handicapé en dans le secteur, en dans le conseil électoral, qui est aussi décrié, qui par répondre à la norme constitutionnelle. Nous connaissons dans cette situation, mais mon handicapé n'a pas qu'à dire nous avons ces responsabilités. Et encore, M. Noël, nous pas qu'à nier tout pour nous pas reconnaître en dans le secteur. Nous sommes comme un militant, un avocat, directeur exécutif en dans le bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés. D'accord? C'est la responsabilité que nous avons gagné. Nous avons demandé explication comment est-ce que tu as gagné un. Si tu attendais, tu as gagné un choix unique. Est-ce que nous t'admettons? Parce que nous-mêmes, c'est même pas à la prendre payant. Comme organisation, c'est le même problème. Non? Nous ne sommes pas satisfaits de l'action du gouvernement après aujourd'hui. Si nous admettons pour nous voir mon conseil là, et comme si nous d'accord, j'en paye gérer. Nous-mêmes nous disons, mettre à l'extérieur, nous reconnaître en tant que un monde dans le secteur, un avocat, un militant, d'accord, directeur exécutif. Et bio secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, mais pas comme représentant du monde handicapé dans le conseil électoral qui aussi décrié ça. Voilà, c'est Kossi Samuel, centre national qui défend le monde handicapé, qui dit qu'il n'y a pas de représentant dans le conseil électoral provisoire Jovenel Moïse. Ou toujours sur Radio Kiskeya, on va suivre le journal 4 ans, on a présenté depuis le studio Bertrand Pierre Louis, on va saluer tout internaut qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quel que soit côté où et tout ça, tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. Premier débat électoral qui fait entre président Donald Trump et candidat démocrate Joe Biden, qui était fait mardi soir, il y a moins de monde qui te suivi que débat. Donald Trump te gagne avec Hillary Clinton dans l'année 2016. D'après ça, yon institution qui en chargé pour vérifier valeur monde qui te branché, qui t'a suivi, déclaré. C'est 73,1 millions Américains, selon estimation cabinet d'études Nielsen, publié journée jeudi, qui t'a suivi débat. Et c'est li pipiti par rapport au record qui te gagne 4 ans, côté de 84 millions téléspectateurs qui t'a suivi duel. Qui était opposé Donald Trump à ancienne First Lady Hillary Clinton. Donné ça au cabinet Nielsen, publié li gen la donne, moun qui t'a suivre et débat de la caillou ou bien d'un côté yoyé dans zone institution publique tant kou dans bar dans restaurant. Li bay tout même chiffre ça yo, yon parti dans diffusion intégrée dans même analyse dans qui fait à travers télévision qui connecté sur internet moun ki t'ap suivre et sous et télévision sa yo mais li pa prend en considération tout l'autre moun qui t'ap suivre débat à travers plateforme en ligne yo donc li pa mette chiffre sa yo la donne donc chiffre li ba yo c'est ça nous douro télévision la caillou et dans restaurant dans bar ou bien télévision qui branché sur internet mais tout moun k'ap suivre sur plateforme internet yo et cabinet Nielsen n'a pas compté yo. Donc premier dans trois débats qui gen pour faire en deux candidats yo et pour élection 3 novembre non et li fini en sarilon pugila entre deux candidats yo pendant 90 minutes côté yon te empêché l'autre parler surtout président en pile fois te empêché candidat démocrate l'en parler et te gen pile attaque yon te fait sous l'autre. Gen deux autres débats yon a fait 15, l'autre a fait 22 octobre, entre deux candidats, mais format yon capable de changer. Et puis tout, yon commission qui en chargé pour organiser débat et présidentiel, élection présidentielle, et qui a porté des modifications pour ça que t'es arrivé dans le premier débat, pas refait encore d'après ça, annoncé. Et puis, yon a gagné, semaine prochaine, yon débat entre deux candidats pour place vice-président. Et Mike Pence avec Kamala Harris. N'a pas vini la caille panou à dossier mettre mon ferrier d'Oval là qui pas doué
fermé pas doit mettre sous côté pendant que continue à demander justice pour mettre mon Ferrier d'Orval et bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince nous connaît assassiné dans date 28 d'août la Kaili étudiant yo yo était plusieurs dizaines yo était organisé une cérémonie vaudou dans local faculté et droit et puis yo était prend la rue pour te faire une marche à un cercueil qui fait en carton et la donne te gain photo bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince et qui développé ak drapeau pays étudiant yo et plusieurs facultés dénoncé Jean Dossier a pas marché et devant la justice et continuer à bataille d'après ça dit pour jeune justice pour professeur yo mettre Montferrier d'Orval qui manquait en pile et pendant yo parlait tout de situation qui dans quartier et populaire yo côté grand pile mon cap victime en bas gang armé et qui a massacré chaque jour sans que pas gain rien autorité au fait pour bloquer ça yo longe droite tout sous madame président yo dit qui pas innocent dans ça qui concernait et crime ça donc n'a pas des déclarations et étudiant mémorand dans droit Pilate Voltaire ak déclaration Lord Milius Watson étudiant d'école normale supérieure dans occasion cérémonie ça qui était fait hier était parlé comme ça dans micro Joubert Joseph depuis professeur Laval de finir 28 août et passé là nous même nous t'ai entamé étudiant en faculté de droit sans semaine tout ça et l'autre monde en bas on t'ai entamé une série d'activités et nous ca ouais après rapport pour de CPJ qui en ça passé nèg yo enterré pour recevoir sans que nous même nous pas d'accord face enterré là parce que nous devons plus arrêter tout auteur et matériel et auteur intellectuel yo mais ça va faire jusqu'à présent et nous t'ai dit faut que arrêter pas faire nous même dans cadre et l'amont ça nous t'ai entamé premièrement une veille et dans mémoire pour recevoir faculté de faculté sans semaine après ça nous t'ai j'ai l'important pour faire un funérailles symbolique ka wè c'est ça après le vaudou a sorti fait là il fait en sorte de yon bon room côté que li évoqué moi pour la une justice pour col c'est ça que tout fait là qu'on a en deux faculté là nous même c'est ça on fait et d'aller constant bal sorti dans la rue pour nal faire manifester pour nal dire non côté sécurité non et pour ça pas de mourir dans condition ça si nous même en tant que étudiant lui en tant qu'élève lui modèle nous qui est tombé comme ça nous te dire ça nous fait nous mal nous c'est important pour bataille contre sécurité afin de continuer nous te dit bataille pour moun belle jeune justice faut continuer c'est dans ce sens ça nous te faire cérémonie ça et nous ka wèl li si n'a pas rapport nous ka rapport à chercher faiblesse là-dedans parce que nous ka dit DCPJ qui c'est une entité de police nationale là c'est une institution de café plus confiance mais les n'a pas rapport ka wèl rapport pas explicite ou ka wèl voye juge d'instruction al fond l'autre enquête encore nous même nous pas d'accord bagaille ça c'est la raison pour laquelle depuis l'été entamé mouvement contre nous pas encore l'enquête encore c'est arrêter tout le monde qui te fait zak là je connais bien madame président participer dans zak là pour qui ça pas attendre lui et nous gien un paquet monde qui mourir déjà dans pays nous gien Jean Dominique nous gien les gagnants nous gien un paquet l'autre monde en pile de 1950 à nos jours un paquet monde important mourir dans pays non seulement pas pour mettre Doval c'est pour tout le monde qui tombé en de quartier populaire c'est pour monde Nassaligno c'est pour monde Beléo c'est pour monde Kafoufeyo c'est pour monde et c'est pour monde Gravigno qui donc nous font funérailles symboliques non non mettre Doval mais c'est en fait c'est pour nous dire non à assassinat qui a fait sur toute population haïtienne non que ce soit sous forme besoin primaire que ce soit sous forme grand goût son zak masminalier grand goût son tentative d'assassinat que ce soit sous forme insécurité que ce soit sous toute autre forme et ça fait journée aujourd'hui à nous mêmes étudiants nous pas qu'à quitter ça passer à pied joint malgré nous PHK fin sur Doval yo fait complot à deux grandes familles Doval yo entrer Doval de manière deux manières à Uclo a dit l'aime dit ça dit entre eux même encore qui tout il qui entre elle mais nous même nous dit non comme étudiant nous dit non comme monde qui a vivant dans pays nous dit non comme monde qui a dit à bas impunité qui compte insécurité nous dit non c'est peut-être ça de façon symbolique nous fait funérailles mettre Doval jeudi pour demander justice ou bien vengeance dans nos mettre Doval pour demander justice pour tout monde dans quartier populaire qui tombé pour demander justice pour tout monde qui a assassiné dans pays côté étudiant Samuel étudiant agronomie fini ça agronomie monde qui tombé en bas balle bandi PHK. C'est étudiant l'école normale supérieure l'école et faculté droit qui te parler dans micro nous Pilate Voltaire faculté droit et puis avec Lord Milius Watson l'école normale supérieure maître Darlene Moïse avocat dans barreau Port-au-Prince qui fait partie de mouvement nous c'est d'Orval là déclaré organiser funérailles symbolique ça parce que yo pas capable participer dans cérémonie officielle pour te rendre bâtonnier un dernier hommage avocat là te tout profiter mande justice pour tout monde qui a victime dans quartier populaire n'a pas invité écouter maître Darlene Moïse
et qui fait partie de mouvement ça relé nous c'est Dorval qui t'ai parlé comme ça dans micro Joubert Joseph. Étant donné nous pas de possibilité pour nous participer dans funérailles en toute intimité que tu as fait pour bâtonnier, hein? Alors que nous avons plusieurs monde qui étaient là, nous par contre pour qui raison que tu as fait comme ça, c'est ton choc que tu as pour nous pas de participer dans funérailles là. C'est vrai bah on a organisé un messe de qui aime bouli, il t'a rendu hommage tout dans l'école Montana, mais nous pensons que ça pas suffit et étant donné moi une structure avocat qui vient des avocats et avocates qui relé nous c'est Dorval, donc nous décidons de courir tout mouvement qu'a fait pour nous demander justice pour ancien professeur nous, bâtonnier nous, Montferrier Dorval, qui joignent avec l'autre revendication tout peuple, puisque ce n'est pas seulement bâtonnier qui mourit, nous perdons l'autre monde tout. Moun belè ou kap mouri tous les jours, moun c'est la saline qui va ka vivre, l'autre monde kap tombe dans pays anti-critique krak n'a perdu. Donc nous mandé pour nous voulez pour robinet sans ça fermer dans pays. Voilà. Son funérailles symbolique, hier nous te font veiller dans fache dans faculté sciences humaines. Jodi nous fait funérailles là. Nous allons rencontrer l'autre étudiant dans la faculté des sciences humaines et puis nous allons rejoindre l'autre mouvement qui vient dans la rue. D'accord, donc c'est nous allons prendre étudiant et puis nous allons rencontrer l'autre monde qui est dans la rue. Voilà, M. Darline Moïse, dans le cadre du mouvement, ça, nous c'est Dorval. Il y a une occasion cérémonie symbolique dans mémoire de Dorval qui est en un mois depuis qu'il a été assassiné, la Kaili. Et dans une rencontre qui était gagnée avec la presse, et dans semaine ça même c'était avant hier et côté maître André Michel était présent avec maître Maisonneuve et sous dossier conseil électoral provisoire gain secrétaire et exécutif jeune barreau Port-au-Prince là maître Luxon H Love Alphonse et qui était accompagné avocat réseau plaignant Petro-Caribéo dans conférence pour la presse qui mandé juge instruction Renaud Régis c'est lui-même doyen désigné et pour et faire instruction dossier assassinat maître Montferrier Dorval là lui demander pour faire travailler comme ça doit avocat fait qu'on est important pour la justice remporter la victoire dans quatre dossiers crime ça qui fait sous bâtonnier et une façon pour permettre tout monde qui était participé dans crime ça depuis monde qui planifier monde qui dans confiolo ak yo et monde qui a exécuté crime là pour tout monde ça dans tout niveau yo joine et pour la justice mettre main sur yo maître Alphonse mandé Jovenel Moïse accepter demande CIBA pour mettre camper une commission enquête internationale indépendant pour faire lumière sous exécution maître Montferrier Dorval n'a coûté secrétaire exécutif jeune barreau Port-au-Prince maître Luxon H Love Alphonse dans conférence pour la presse acte parlé comme ça et côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Jeune barre de Port-au-Prince nous connaît qui engagé li dans tout ça qui a passé dans le pays. Notamment, actuellement, nous avons à cœur dossier maître Montferrier Dorval. Donc, Montferrier Dorval, nous tout connaît qui était mouru et qui était mouru assassiné la Cali, Pèlerinse. Nous connaît tout désordre qui était fait dans quatre dossiers, ça déjà. Question commissaire gouvernement, laisser scène de crime pour laisser souiller scène de crime. Policiers qui ont été arrêtés dans quatre dossiers, ça. Dossier a été au niveau des CPJ, que tout le monde qu'on est nous t'attendons que DCPJ avance avec enquête que le gain pour te mener. Et ben dans cadre enquête que DCPJ te gain pour te mener dans quatre dossiers assassinat ça, nous connaît que yo présenté quatre moun ba nous, quatre cuidam que yo présenté ba nation qui c'est des éventuels moun qui t'a assassiné bâtonnier. Même ça que m'a demandé, question m'a posé tête moi, qui rapport cuidam ça a gain avec ton bâtonnier. Bâtonnier ce coup mais Montferrier Dorval. Nous estimons que pas gain aucun rapport, pas qu'il y a une relation entre moun sa yo ensemble avec bâtonnier Dorval. Vrai moun qui assassiné Dorval yo, moun sa yo présenté ba nou là, nous dit que c'est pas au même vraiment parce que tout nous dit moun qui dit mes coulèv là, c'est lui qui tient coulèv là. Donc même si moi-même m'gè dwa proche moi nous c'est mon cap cabine coulèv là, mais c'est pas moi qui tuel, c'est moun qui le dit mes coulèv là. Donc dans sens ça, c'est pour me dire que gè travail qui doit faire toujours pour arriver joindre auteur intellectuel crime ça, assassinat ça. Donc, dossier a maintenant lié au niveau cabinet d'instruction. Il y a un juge Renaud Régis qui désigné pour mener l'instruction. Donc, n'a demandé juge là pour lui travailler avec
toute sérénité li. Pas quitter li intimidé, pas quitter li prend pression nan men personne pour que dossier ça arrive fait chemin ni. Et puis nous demandé avec président PIA pour que li mette commission d'enquête internationale indépendance à que toute 47 barreaux dans CIB a mandé, yo te écrit formellement pour que li mette commission à sous pied. Jusqu'à présent, li pas fait rien, moi même pas vraiment fait foi justice haïtienne dans la consa que met Dorval, hein, pour joindre justice. Et c'est auteur on a pas nous pas besoin moun sa yo kembe là c'est bien okembe yo al fè on parler ba nous on mais faut que yo di qui est-ce qui te veut retourner moun nan qui est-ce qui te veut retourner maître Dorval parce que maître Dorval pas dit rien pour ti vagabond ça représenter nous là ti vagabond ça pas la jamais retourner Dorval ça c'est pas un monde qui veut retourner Dorval donc n'a demandé pour que juge là fait travail très bien pour lui dans respect loi OK tout ça que quoi d'instruction criminelle a dit pour le faire yo pour nous river joindre la vérité sous assassinat Maître Monfrier Dorval. Ça, c'est position par nous dans Jeune Barreau de Port-au-Prince. Maître Luxon H. Love Alphonse, qui te parlé comme ça dans la conférence pour la presse. La question, c'est qui mobile qui fait yo altan mettre dans la Kaili pour yo assassiner. Commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, non, qui se mette du Carmel Gabriel. Annoncé paquet l'a dirigé à lancer 6 octobre qui a venir là une opération relais sans prend souffle d'après ça il dit pour désengorger prison yo donc c'est pas premier commissaire qui a fait tentative ça li bail une conférence pour la presse jeudi à la tête en paquet a tenté une explication il parlait de disposition qui a prend pour organiser audience correctionnelle spéciale qui a fait chaque jour même samedi toujours dans conférence pour la presse l'annoncer dossier qui traite yo ap gen pour transférer yo dans cabinet d'instruction et puis tribunal correctionnel ap gen pour tande prisonnier au même journée an maître du Carmel Gabriel précisé chaque commissaire gouvernement ap gen pour remettre chaque mois 8 réquisitoires définitifs pour ça qui gagne a ouais ak un dossier journaliste radio télé Guinée Samuel Dalman et qui d'après déclaration victime agression physique jour qui était 23 septembre nan et nan men employé la cour supérieure des comptes pendant il était accompagné ministre Nader et Joaseus et qui pas de gain invitation ni pas de faire inviter qui était venu dans institution d'après ça il dit pour te déposer un document mais était accompagné de caméraman qui t'a filmé et chef paquet fait connait l'a fait tout ça qui dépend de lui-même pour y identifier moun qui était agressé journaliste radio télé guinéen maître du Carmel Gabriel et fait connait li tande jeudi à 1er octobre d'ailleurs journaliste tant te porter plainte et l'a analysé fait yo après plainte journaliste tant te déposé dans paquet n'a tande commissaire gouvernement AI Port-au-Prince non maître du Carmel Gabriel dans conférence pour la presse à côté Hervé Noël te présent pour Radio Kiskeya. Sorti dans pays l'op, rivé dans COVID-19, ensuite nous tombé dans un mode d'ordre de grève lancé par les magistrats et les greffiers, bien que revendication magistrat ou juste fondée, eh bien c'est de circonstances qui ont aggravé phénomène détention préventive prolongée. Donc, et nous profiter de l'occasion ça pour nous saluer l'initiative greffier qui finalement décidé d'observer en trêve et ça va permettre que nous relancer l'activité dans le niveau tribunal. Là. Donc, dans ce sens, ça, nous lançons l'opération que nous baptisons opération sans prendre souffle qui va permettre que nous désengorger prison. Parce que nous avons rappelé que le tribunal là son composition que lié. Gen juge, gen ministère public, gen greffier, gen huissier. Donc si gen youn qui fait défaut et ça automatiquement infirmé tribunal. Donc désormais nous décrétons la permanence des audiences correctionnelles spéciales seront organisées quotidiennement et même les samedis les dossiers seront acheminés le même jour au cabinet d'instruction. Et quant aux prévenus, ils seront déférés sur le champ au tribunal correctionnel selon le vœu de la loi du 6 mai 1927. Donc des assises, nous allons organiser des assises criminelles sans assistance de jury en vue d'évacuer certains dossiers. Et chaque commissaire gouvernement vient pour remettre nous
mensuellement 8 réquisitoires définitifs. Donc nous mettons sous pied tout en cellule de détention qui pral visiter prison 1 et cellule de détention ça a gagné pour l'étudier et analyser cas par cas les différents dossiers et faire nous des recommandations. Et n'a pas rappelé tout que pour dossier Samuel Dalma, donc journaliste radio, oui Dalma pardon, journaliste radio Télé Guinée, il a porté plainte pour des faits d'agression physique et de séquestration dont il est victime. Donc, nous t'en délits et nous avons analysé fait. Et comme commissaire gouvernement, au vu des faits qu'il a décidé, nous auditionnons. Bon, il a porté plainte contre X parce que probablement, le monde qui était agressé physiquement, il n'est pas arrivé à identifier parce que c'est pour le monde que le connaît. Il n'est pas connu. Nous-mêmes, à partir de l'audition que nous faisons, l'image que nous gagnons, donc, nous allons faire tout ça dépend de nous pour que nous identifions mon nom, joignons nos noms et pour nous voir quelle suite à donner. Voilà, c'est le commissaire gouvernement Port-au-Prince, A.I. et Ducamel Gabriel, dans la conférence pour la presse à côté de nous, était présent pour Radio Kiskeya. Journaliste Radio Télé-Guinéen Samuel Dalman, te répond jeudi à question commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Ducamel Gabriel, sur agression physique, séquestration. Il était subi d'après ça le dit jour qui était 23 septembre dans la cour des comptes d'après ça confrère a fait connaître invitation ça c'est après plainte qui était portée contre X pour incident qui était passé à pression il dit il était subi dans main employé la cour supérieure des comptes qui était demandé remettre matériel qui était dans main qui était enregistré diverses images il était déjà prend Samuel Dalman déclaré lui répondre toutes questions chef paquet a été posé et li fait connait li quoi dans la justice pays li souhaiter la joindre justice. N'attendez Samuel Dalman, journaliste caméraman Radio Télé Guinée qui te parle comme ça dans micro Hervé Noël. Comme ce gouvernement était posé une question pour te demander moins et de fil en aiguille qui ça t'est passé et en dit dans la cour supérieure des comptes et que nous pas parler retourner sur ça qui t'est passé puisque m'était parlé dans la presse et m'était expliqué déjà et tout ça qui t'est fait yo et pour nous faire raccourci m'était répondre à commissaire là et de ça que il t'est posé premièrement il dit qui gens que m'était fait en dit dans événement sont fait normal et que m'était avisé par la station et que m'a travaillé pour lui à qui c'est Radio Télé Guinée pour m'était al couvrir événement et te gen bien d'autres questions et pas obligé éterniser sur toutes questions ça mais à qui ça va attendre nous même Samuel bon normalement et plainte moi a été déposé avant bien sur réponse ça plainte moi a été déposé contre X puisque agent de sécurité a quitté vraiment bat moi et il pas ton ami pour moi m'pas reconnaître lui déjà et que m'était venu là m'était déposé plainte là contre X et ses consorts et en dedans plainte là c'est qui ça lié c'est et on dit agression physique séquestration et confiscation de matériel de travail puisque il était jusqu'à maintenant et la cour supérieure des comptes qui était quimbé quatre mémoires et cassette travail télévision tout ça yo jusqu'à maintenant m'a parlé là il est toujours dans la cour supérieure des comptes et que par la suite de plaintes que m'poté et puis demander justice et réparation c'est ça en tant que journaliste caméraman qui travaille pour Radio Télé Guinée moi vive des événements me fait 12 ans et m'a travaille dans le domaine ça et que mon crois dans justice pays moi puisque la justice li là pour li capable on dit régulariser tout ça qui fait qui anormal tout monde yo poser préjudice et que c'est la justice qui là pour régulariser et tout ça qui fait dans société c'est ça alors moi crois dans justice pays mais que m'a joindre justice et réparation. Voilà, c'est Samuel Dalman, journaliste caméraman Radio Télé Guinée qui te parlé comme ça dans micro Hervé Noël. L'autre dossier devant la justice juge Renaud Régis, c'est lui qui gagne dossier exécution maître Monferré d'Orval la namène mais il était tendé journée jeudi policier Jean-Pascal Alexandre qui était jeune libération vendredi qui s'est passé là dans audition ça qui était duré plusieurs temps policier était gain pour te répondre question juge instructeur sur enquête juge d'indit continue à peiner sous arrestation ça qui était fait dans mois de mai. Et d'après une avocat qui se met André Michel qui t'a accompagné policier BLTS non
et pendant audition déclaré dossier arrestation client non vide mais même si li promet Jean-Pascal Alexandre a toujours été à disposition la justice et pour reste enquête juge instruction a mené pour ça qui gagne avoir à travail policier Jean-Pascal Alexandre institution policière pourquoi il pourquoi reprendre et d'après ça avocat M. André Michel fait connait annoncé dans jour qui va venir là yo l'a gagné pour envoyer une requête dans sens ça bail responsable police nationale là pour faire connait policier libéré il prêt pour recommencer travail et n'attendait M. André Michel qui te parlait comme ça dans micro Hervé Noël c'est tout un processus et Jean moi te dit nous ça déjà l'instruction suit son cours même si Jean-Pascal Alexandre est en liberté. Il répond une question juge là pour une deuxième fois. Il répond toute question juge l'a posé lui. Pour nous, j'en nous te dit déjà le dossier de Jean-Pascal Alexandre son véritable tempête dans un verre d'eau, son dossier vide, son dossier dénoué de tout fondement. Mais comme faut que tu arrêtes faut te faire méchanceté. Faut que tu essayes écraser bataille policier policière yo, c'est ça qui fait ou te mettre dans prison. Jodi a dans qui phase nous y est. L'instruction va continuer son cours. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Pascal Alexandre est en liberté, l'a prêté en liberté et l'a prêté disponible pour la justice. Mais ça fondamental, m'a pour dire encore, policier policière yo, dans tout pays a faut que pas quitter revendication yo tomber. Revendication pour joindre caille priorité. Revendication pour joindre l'école pour petit yo. Revendication pour gagner de meilleures conditions de travail, bon gens salaire pour vivre dans le monde, faut que les policiers continuent bagaille ça. Abelson Gonègue, le porte-parole du SPNH qui a été révoqué injustement arbitrairement, faut que monsieur retourne dans la police. Bref, il faut continuer le combat. Et nous autres, comme avocats, responsabilité nous, c'est continuer à accompagner. Même, et ça me dit, là, me dit, capable de gagner. Il doit gagner l'autre, nous prenons le temps. Est-ce que formellement, le juge a une date qui est non, non, pas de non, pas de date formelle. Il n'y a pas de nouvelle invitation pour Pascal Alexandre. Il va rester à la disposition de la justice. Mais le plus important, c'est le combat qui doit se poursuivre pour un véritable état de droit en Haïti. Parce que vous n'êtes pas capable de craser un bon policier parce qu'il y a un syndicat dans la police. Vous n'êtes pas capable de craser parce qu'il y a fait manifestation, il y a exigé de meilleures conditions de travail. C'est une méchanceté, c'est un abus de pouvoir inacceptable que nous condamnons avec toutes nos forces. Et policiers, vous devez comprendre. Bataille pour changer condition la vie, oua, li ma connaît avec bataille pour changer condition la vie de peuple haïtien. Ce n'est pas encore fait, d'accord, on va adresser une requête aux autorités compétentes en la matière au niveau de la police pour leur dire que Jean-Pascal Alexandre a été mis en liberté. Maintenant, il doit recommencer à travailler pour la police, une institution policière que le remet en pile, en pile, en pile. Voilà, c'est avocat Jean-Pascal Alexandre. Et maître André Michel nous songeait en deux fois et groupe policier qui est les têtes au fantôme 609 te prend la rue et te fait violence pour te exiger pour te larguer Jean-Pascal Alexandre et surtout après yon l'autre manifestation violente je te fait parce que c'est trois te bail dans moins que une semaine fois ça te gain à revoir ak policier yo te mette en garde à vue et puis transféré dans pénitencier national et pour façon yo te géré et dossier et surveillance Kay maître Dorval là et nous connaît le premier ministre t'a pas intervenu là pour te faire la guerre policier ça yo après et fantôme 609 te fait un pile de gars dans la rue n'a fait un autre coup de pied dans actualité internationale là dans pays Irak c'est plusieurs milliers irakiens qui étaient dans la rue journée jodia pour défiler pour premier anniversaire révolution yo wa. Plusieurs milliers irakiens te rassemblés jodi a sur place Tahrir et qui c'est place et ça dans Bagdad qui c'est symbole lutte à Pénéan et puis dans plusieurs autres places dans sud de pays pour premier anniversaire yon révolte yon pas jam moins dans pays Irak mais qui vient bouquer même avec un pile mouvement levé campé qui t'a fait année passée sous planète non et même en Haïti et mais yon promet à relancer c'est pas gain aucun réforme qui fait et faut que nous dit et Covid 19 l'a crasé et l'en mouvement ça tout et manifestant yo dans pays Irak yo mandé travail pour jeunes yo qui dans chômage
yo mande pou gen service public l'état k ap fonctionné santé éducation électricité de l'eau tout ça yo yo mande garantie pour élection fait sans magouille dans transparence alors que Irak son pays qui miné en bas corruption et li prend dans deux flammes du feu influence entre Washington ak Téhéran et entre États-Unis ak pays Iran un an et 600 moun mouri après et un an depuis mouvement ça te tanmen après pi gwo crise sociale dans toute histoire moderne dans pays Irak ambiance dans dans pays a li vraiment différent par rapport à ça te année passée et premier ministre nan Mustafa Al-Kazimi et qui te jeune nomination dans mois de mai te paraît pour saluer défilé opposant yo qui pote aller gouvernement qui te là en vent télévision l'état qui se garde palais national quoi dans série de pays li getan changé kazak alors que l'année passée li pas de bail information sur ça qui t'a passé dans la rue et sous 600 morts 30 000 blessés moun ki t'a manifesté chaque jour et mais de kounye la depuis la veille il commençait diffuser clip qui montrait photo martyr qui mouri dans quatre mouvements ça parce que gouvernement qui là il gagne un autre comportement par rapport à moun qui dans la rue télévision qui était metel au garde à vous et conseil de télévision ou l'autre moun pa gen droit là-dedans mais coup ça changé yo gen temps conformé et il mettait hymne national guitare électrique pour rendre hommage bay mouvement ça que était boycotté année passée télévision l'état mais sous place Tahir là et quoi dans plusieurs autres places dans Diwania par exemple dans sud pays là c'est avec force yo voye jeter main gouvernement a lancé bay organisation ça yo et ni tout divers partis politiques yo dire pas reconnaître nan yo qui a préparé pour aller participer dans élection avant l'heure qui a fait dans mois de juin qui a venu là ancien gouvernement ensemble avec nouveau a c'est pile paquet de promesses il a fait deux pieds enflés mais pas gain rien tout bon d'après ça Hassan Almiayi déclaré et les moun qui a manifesté dans sud pays yo yo vini a même slogan yo le te commencé mouvement yo dit peuple en veut pour régime nan tomber nan Basora nan sud pays nan Bagdad et nan l'autre ville nan pays a ennemi yo yo tout yo là c'est parti politique yo logé doit sou yo c'est milicio c'est pays Iran c'est pays États-Unis c'est toute classe politique là yo tout yo batchal baride yo jounen jodi a nou sonje tout moun ki mouri yo pour nous capable reprendre direction pays nous dans main voler bon voler d'après ça Ibrahim qui a 28 ans déclaré sous place Tahira et c'est nous c'est comme si son l'ancien abaille gouvernement si que le pas lever pied et bien pas laguer tout monde yo t'a arrêté t'a participé dans manifestation année passée yo et bien prochain rendez-vous n'a cassel 25 octobre avec yo d'après ça yo manifestant déclaré dans Bagdad année passée révolution ça la révolution octobre là yo te lancé le 1er octobre il était obligé vinn camper dans période pèlerinage chiite et puis après ça covid là et année ça d'après ça fait qu'on a pour reprendre ni encore et année ça si gouvernement pas répondre il met blier ça d'après ça fait qu'on a parti avec pour toujours sur Radio Kiskeya merci d'être que faire Radio Kiskeya confiance pour informer chercheurs yo annoncé vaccin contre covid 19 là pour pi bonheur yo quoi yo capable joindre un vaccin pour mettre disponible sous marché mondial là c'est deuxième semestre 2021 ça veut dire dans fin année 2021 et donc une date qui vient paraître très loin dans moment que pandémie si que autorité haïtienne ne dit pas enregistrer aucun cas dans dernier jour ça yo mais c'est pas même situation pour série de pays particulièrement en Europe et grand pile inquiétude et pour qui ça vaccin ça yo et prend tout temps ça yo pour capable près ces questions ça cap poser alors que les comparer avec l'autre vaccin yo capable dire y aller très vite généralement c'est 10 ans pour petit yo comprend pour joindre un vaccin mais là gon gros course mondial qui t'emmen pour capable joindre un vaccin mais selon chercheurs yo alors que président Trump te dit avant élection et qui pral fait dans pays États-Unis a besoin de vaccin mais yo démentil pas gain vaccin pas avant finissement année 2021 oui gain inquiétude concernant maladie
Par exemple, sur un pays comme l'Espagne qui obligé fermer capitale là, monde qui est dans capitale là pas qu'à sortir pour aller l'autre côté à moins que pour aller travailler et sous dehors tout pas qu'à rentrer 9419 nouveaux cas yo enregistrés et pendant 24 heures de temps qui sont passés là d'après ça autorité ont fait connaître Italie yo te félicité parce que yo te très traumatisé et pour choc yo sont prend bas Covid 19 là gen 2000 nouveaux cas monde qui contaminé en bas coronavirus temps pour seul journée yo enregistré ça bay 2548 nouveaux cas contamination coronavirus pendant 24 heures de temps qui sont passés là donc yo vin et commencer gen kè sauté et la France li même l'a fait face à un problème yo ka pran mesure pour ville Paris d'ailleurs premier ministre te rencontre ak dirigeant qui donc magistrat et quatre plus grandes villes yo pendant l'a fait face à tout une espèce de rébellion surtout monde qui dans secteur restaurant bar qui montrait était même mal devant la justice et pour te faire casser décision gouvernement prend pour fermer bar restaurant yo malgré on aide à ba yo pas capable faire face et gen pile qui va faire faillite d'après ça yo dénoncé en pile rébellion gen intellectuels qui parler fort dans dossier a gen l'autre qui dit bon moi même préférer prendre covid là parce que pour retourner dans confinement alors que gagne un sondage qui montre plus fort français était d'accord pour ta refermer pays a mais les a tiqué on sait de secteur pas d'accord du tout donc yon situation bouleverse Grande-Bretagne annoncé gon tibes qui fait et 6914 nouveaux cas contamination coronavirus l'enjambé océan atlantique là pour venir en Amérique et Québec annoncé à prendre mesure et dans province Québec là particulièrement ville Montréal ak capitale nationale la Québec et concernant restaurant yo ak bar yo qui pou fermer pour capable contrôler tendance qui gagnent et pour coronavirus sans parce que nous en même temps tout pays ça yo c'est pays qui pral entrer dans frédu et dans période frédu a toujours gagné épidémie grippe et donc yo peur et gagné tout tendance tant qu'il a il a demandé comment pral gérer situation ça mais New York pour la première fois hier soir moun de ka manger dans restaurant dans New York bien que c'est un cas dans valet client était qu'on recevoir obligé recevoir gros table long côté famille et 10 moun ka chita yo éliminer ça yo dans restaurant dans New York côté yo divisé par 4 valeur moun yo capable recevoir dans restaurant New York c'est pour la première fois depuis crise Covid 19 là hier soir te gen moun qui te manger en dedans restaurant dans ville New York dans Big Apple là mais autorité yo yo rete sou pinga yo yo di n'importe qui signal qui montre gen problème et bien y a campé toute activité et qui gen gros conséquences économiques gagne plusieurs organisations qui basées dans pays États-Unis qui fait solidarité avec peuple haïtien et dénoncer comportement gouvernement américain qui est avec DG a supporté Jovenel Moïse yo retourne sous déclaration yon fonctionnaire dans département d'état était fait pour dire c'est élection qui pour fait et voye pinga bay tout monde dans opposition ben dans société civile haïtienne nan qui t'a pensé que pral camper en quoi pour empêcher pour faire résistance et yo dit a gen conséquence c'est menaça ambassade américaine nan reprend ni d'ailleurs sur réseau social li en anglais tant kou en créole yo reprend position société civile haïtienne dans diverses organisations qui levé campé qui dénoncer sa cap fait là yo retourné sous Jovenel Moïse qui a sigué non seulement mettait campé conseil électoral li mais li installé malgré pas prêter serment devant la cour de cassation et en plus de ça ambassade américaine dit prend note et qu'on est là y a tant calendrier dans main ça que diverses organisations ça yo dénoncé le fait qu'on ait position gouvernement américain c'est appuyer appuyer un gouvernement gros poète qui pas chita sous la loi qui gagne dans tête Jovenel Moïse et qui impliqué dans corruption ak abus toute qualité dans question droit monde particulièrement contre opposition yo rappelé année dernière après mandat majorité membre parlement était fini Jovenel Moïse et pas prend route pour être capable organiser élection pour une prochaine législature et il commencé à gouverner avec décret et depuis mois janvier 2020 et là il était col net depuis là ça
et gen yon augmentation clé de attaque exact violence qui a fait et parmi eux yo di ki culminé ak assassinat Maître Ferrier d'Orval jou 28 d'août lan yo assassiné gros avocat ça et qui c'est bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince et qui t'est signé avec un autre groupe avocat une déclaration pour te dénoncer plus passer une douzaine décrets inconstitutionnels Jovenel Moïse te mettait dehors et dans dernière année qui s'est passé là yo il y a plusieurs quartiers populaires qui proche opposition qui subissent répression violence cas viol violence contre femmes et puis massacre jour qui de 31 d'août 2021 une coalition gang qui est l'état G9 et qui semblait gain support pouvoir qui attaquait quartier Belen dans Port-au-Prince attaque ça était forcé une centaine familles courir à monter tenter sur place publique dans mois de juin à juillet 2020 pour petit gain 111 monde qui mouri en bazac en violence dans cité soleil et qui c'est une dans pic gros quartier populaire gain dans capitale là organisation cap défendre droit moun yo documenté 18 cas viol et massacre qui fait dans cité soleil là en pile moun quoi yo gain motivation politique attaque ça yo semblé ak massacre violent qui t'est fait dans quartier la Saline l'année 2018 qui sont bastions partisans opposition pour plus petit gain 70 moun qui t'est mouri dans massacre ça et puis gain 18 cas viol qui fait sous forme actifi jour pour jour yon l'année après attaque ça yo touye 24 moun dans un massacre qui semblait tête coupée ak massacre la Saline nan, et ça fait dans quartier Belen Nations Unies ak l'autre observateur et droit moun identifié te gagné et officiel dans régime PHTK tête calé Jovenel Moïse dan qui t'a dirigé qui t'est impliqué dans crime ça yo malgré ça rien pas fait d'après sa organisation ça qui basé dans pays États-Unis dénoncé yo pas jugé personne moun qui responsable dans crime ça yo et puis pas gè rapport qui montré malgré rapport qui montré groupe G9 là c'est un ancien policier relé Jimmy Cherizier qui dans tête li qui gen connexion à gouvernement et était passé l'ordre pour massacre la Saline en fait ak massacre Bel Air dans dernière semaine ça yo un parti dans police nationale haïtien te bloqué et plusieurs zones dans capitale là pour te manifester pour demander pour laguer 5 policiers ont été arrêtés peut-être ont été quittés Porsio avant alors si on dit avant assassinat la grande confusion c'est pas avant assassinat c'était après et il était quitté et Porsio et pour te surveiller Kay et Maître Ferrier d'Orval il était assassiné donc pendant manifestation ça yo il était mettait du feu dans office national identification qui distribuait 4 identifications nationales qui doit servir pour mon participer dans l'élection mais 4 ça tout les décrié yo les 4 dermalogue et d'après sa organisation ça dit n'a demandé gouvernement américain pour lui reconnaître légitimité problème organisation société civile ak droit moun en Haïti yo a souligné pour lui camper déclaration ça yo et qui créer en pile inquiétude de l'appuyer gouvernement et gouvernement américain t'a supposé a dénoncer violation droit moun qu'a fait en Haïti moun qui gagne connexion ak président et supposément à commettre de violation droit monde au lieu pour t'app supporter impunité États-Unis t'a supposé mander enquête pour faire et puis chercher responsabilité pour acteurs qui impliqué dans violence ça yo n'a demandé pour membre congrès américain pour continuer n'a citer notre camper en solidarité avec Haïti et puis continuer dénoncer support pour pouvoir et qui a joui impunité dans non démocratie. Organisation Kissien American Jewish World Service Center for Gender and Refugee Studies et Family Action Network Movement FAM et Gender Action et gain Global Justice Clinic gain Asian Bridge Alliance Asian Women for Asian Refugees, Asian Women's Collective, International Women Rights Clinic, Harvard Law School, Institute for Justice and Democracy in Haiti, Project Blueprint, et avec Quick Court Center.
et c'est eux-mêmes qui signent l'organisation ça qui basée dans pays États-Unis. N'a pas retourné la caille pas nous concernant situation ancien président Sénat sénateur Ronald Laresh déclaré pourquoi gagner conseil électoral provisoire qui en fonction dans pays pour organiser élection. Selon ancien président Sénat conditions pas réunies pour organiser élection ak tout zak insécurité ça yo c'est ça le dit dans interview le Bagadjo Kiskeya sénateur Laresh fait un plaidoyer en faveur un véritable dialogue entre exécutif là ak classe politique là pour rejoindre un accord politique pour résoudre crise là selon Laresh exécutif là doit aller chercher organisation de société civile là pour jouer rôle médiateur entre lui-même ak opposition n'attendé sénateur Ronald Laresh qui t'ai parlé comme ça dans micro Vilner Joseph électoral provisoire, conseil électoral provisoire est supposé être seulement basé dans la politique de la nation, sont dispositions constitutionnelles, regardant l'article 194 de la Constitution. Ensuite, le conseil électoral a monté sans concertation avec les partis politiques, avec les acteurs. Pour former le conseil là-même, il faut qu'il soit rentré en concertation avec les partis politiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord politique avec les partis politiques. Je dis à la qui gangrené par des bandits armés pour qu'on soit capable de parler d'élections. Pour gagner l'élection, pour gagner un accord politique. Moi-même, c'est un accord politique pour le président, trouver, pour chercher, pour créer un passerelle avec les partis politiques de l'opposition et les partis politiques modérés pour qu'on ait un accord politique capable de faire l'élection dans ce pays. C'est-à-dire, l'élection pas comme fait avec un seul monde, avec un seul parti. Le président lui-même, l'a avancé avec son CPA. Avancer avec question élection lui-même seul, sans concertation, sans rapport politique avec les partis politiques, avec les acteurs politiques, et compris la niveau de la stratégie finale. Mais demain, ça va entamer déjà, et le président Jovenel Moïse, suivant montrer volonté de bien pour le négocier, mais il y a un difficile gain, c'est que les acteurs n'ont pas fait confiance. Je pense que non seulement acteurs ont exécutif la confiance, il n'y a pas fait opposition en confiance tout. C'est-à-dire même au niveau population, population a cherché un leader, population a cherché un acteur politique pour être capable de marcher. Mais nous disons la population va faire l'opposition politique confiance. Même si la crise de confiance va poser au niveau du pouvoir exécutif, mais il ne va pas faire l'opposition confiance. C'est-à-dire, il faut que tu aies des gens, des institutions morales qui sont capables de prendre responsabilité pour dire, même si tu as des têtes comme médiateurs, capables de servir d'intermédiaire entre les partis politiques et l'opposition et le pouvoir exécutif pour capable de faire une solution. En ce sens, si nous ne sommes pas capables de faire ça, c'est qu'on ne pas payer. Mais nous avons la conférence épiscopale là, déclinée récemment, invitation de l'Église, vous le jouer rôle médiateur, on parle là. Il faut qu'il y ait des discussions au pays à la presse. C'est pas dit, si c'est dans la presse, nous n'avons pas arrêté ou dit, c'est de la politique. Nous connaissons clairement que bah, la pas fait comme ça. Faut qu'il y ait des discussions qui sont préalablement avec les acteurs politiques, avec même nous là, c'est pas là dans la presse. Si tout ça, c'est dans des mouns attendent, mais faut que ça, l'institution, ça ne va pas capable de chiter avec acteurs. D'abord, nous d'accord sur un principe, nous d'accord sur un bal, sans tabou, sans hypocrisie, sans faux semblant, que nous dit bon, on a chité ensemble. Il y a des rapports qui sont préalablement et des discussions capables de faire public. Nous mettons tout le bagage sur la table. Nous disons, ok, d'accord, je veux dire là pour une fois, un ou un pays pour nous garder ça en tête. Un qui est intérêt personnel, un qui est intérêt médical, un ou un pays pour pouvoir faire une discussion faite publiquement, tout pour nous comprendre ça. C'est des bagages qui sont faits en bas, en 4 minutes, pour tout le monde chercher intérêt personnel, n'est-ce pas des ministres, n'est-ce pas des premiers ministres. Nous ne pouvons pas arriver à faire un accord politique. Nous ne pouvons pas trouver un accord politique avec les acteurs politiques. Qui point international là dans les matchs ça? Parce que l'international, finalement, pas au côté à Bali, à l'autre. Le CPA n'a pas devant la Cour de cassation pour tout à comprendre. Les sociétés, alors qu'il y a des institutions morales en tant que pays qui n'ont pas participé dans le conseil électoral provisoire, ça. L'église catholique, l'église protestante, le secteur privé, l'AMH, toutes les institutions n'ont pas participé dans le conseil électoral, c'est-à-dire qu'on crie. Si c'est comme ça, le CPA informé, l'international a estimé qu'il y a des bagages qui ne sont pas faites, il y a la même chose qu'il y a des concertations qui sont faites avec la. Sénateur Ronald Laresh, ancien président Sénat, dans le micro, Vilner Joseph, bon côté parle, sénateur sud-est, Jepi Chérubin, estimé pays d'Haïti a vécu une situation politique très difficile. D'après ça, le fait qu'on a une décision Jovenel Moïse pour contenir, pour mettre le conseil électoral provisoire la camper sous pied, une compliquée situation, puis plus. Et ça, dans l'interview, Liba et Radio Kiskeya. Et sénateur Chérubin mandé Jovenel Moïse prend route dialogue ak acteurs pour capable joindre un accord politique pour résoudre crise là. D'après sénateur Chérubin, il pas normal
pour yon KEP a monté sans représentant ou de secteur clé dans société civile là. N'attendel nan micro Vilner Joseph. Situation ça aujourd'hui avec parce que moins ouais c'est pays qui a continué effondrer son paquet de monde qui a perdu espoir son paquet de monde qui a gardé au pas ouais devant qui côté au praler du tout nous qu'a dit c'est comme si c'est un bateau qui a continué couler et que moun dirige lui continue faire preuve de manque d'expertise pour faire ça yo même yo appelé pour faire comme donc au gagner un conseil électoral qui voulait desservir un pays pour faire élection pour tout un pays et qu'on fait invitation à des secteurs clés de la nation pour que yo-même yo voyez moun là-dedans yo manifester yon réticence au lieu ou à chercher comprendre qui nature réticence là pour prendre bâton pèlerinage ou pour aller garder qu'on est pour aller convaincre moun pour mettre l'autre moun qui bon koto parce que chaque moun gon moun qui ka parler avec yo l'on approche groupe sont pas jeune ni gon moun qui ka approcher chercher moun qui ka approcher là sous ni et puis pour tentative là refait encore au lieu que ou chercher ou rechercher encore ou dire adelanté ça ou même ou pas. Donc sans l'Église catholique, ou parti pour conseil électoral. Sans secteur presse, ou parti pour conseil électoral. Sans culte réformé, ou parti pour conseil électoral. Finalement, on fait conseil électoral, barreau, donc fédération des barreaux d'Haïti, ils demandent pour cours de cassation, pas recevoir l'assermentation, et puis, ils ne pas recevoir, ou dit pas qu'il y a un problème à délanter. Bon, qui côté nous peut aller? Qui paye ou pas le faire? On fait 100 000? Bon, même famille pas diriger comme ça. Voir pour pays. Qui ça qui doit être fait par rapport avec toute situation présentée là? Ça qui a fait par rapport à la situation qui présente, j'ai demandé est-ce qu'il n'a capacité encore de l'exécutif. L'aime dit ça, moi, si tu veux ton pouvoir ou sous pouvoir ou là, c'est normal que le monde qui passe au lieu des postes. Si par exemple, je dis, hein, nous pas pral, prendre les armes pour que nous retirions le monde sous pouvoir. Faut négocier avec elle. Faut nous parler avec elle. Avec nous parler, nous qu'à parler avec des amis, nous qu'à parler avec international, mais il mérite un compromis, je dis, hein, pour nous repenser situation ça dans le pays d'Haïti. Pour moi, exécutif là de connaître que, question de conseil électoral, il fait là, il met juste fourrer le lantiroir. S'il c'est haïtien, s'il voulait rester haïtien, parce qu'au grand de la bataille pour un mandat, il y a quitté au fait mandat. Le président est continue de parler de mandat qui a fini, 7 février 2022, que le parler de conseil électoral. Bon, peut-être tout conseil électoral a son diversion pour que vous capable concentrer sur lui et puis quitter l'autre problème. Mais on pas qu'à venir à un conseil électoral qu'on y a. Si le président son haïtien, mais ouais, Haïti sorti d'un problème côté lié, bah, quoi, que le tadou est prêt pour l'offrir pays à, y a une élection bidon, une élection que personne ne peut pas faire confiance, et puis pour lui-même, il font tentative, mettre quelqu'un de monde sous pouvoir, pour lui enfoncer nous dans un trou, beaucoup plus que t'es une balle là. Bah, c'est que, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on ait, qui sont 40, y a un pays servi. Président de reprendre ton pèlerinage, rentrer conseil électoral là, reconsulter les secteurs vitaux de la nation pour que les joignent parole encore pour que ça y même à exiger parce que les situations difficiles comme ça, et qu'il y a un bagaille pour pas, qu'il y a un bagaille pour pas où, ok, qu'il y a une concession ou bien. Voilà, JP Chérubin, sénateur sud-est. Qui t'a parlé comme ça, nan micro Vilner Joseph. Ancien député Serka Kaval, Antoine Aoudon Bien-Aimé, dénoncé conseil électoral provisoire Jovenel Moïse dans. Dirigeant ENA fait connaître Jovenel Moïse monté yon KEP qui fait tout mouri. Et c'est pour satisfaire ambassadrice américaine nan, à la tête binuyan qui fait le mettre le campé sous pied. Il a annoncé mobilisation pour recommencer pour retirer Jovenel Moïse ak équipe li a nan tête pays. N'attendez ancien député Aoudon Bien-Aimé dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. La question de CEP Money qui crée, on croit que le monde entier, même le commun des mortels, rend compte que c'est un CEP qui fait nos objectifs bien précis. C'est pour satisfaire Madame Laline et Madame Sisson. À tel point, président Jovenel a couru pour satisfaire Madame Laline et Madame Sisson. Même constitution a oublié l'existence li nan monté CEP ça. Qui fait un article dans la constitution qui dit que l'exécutif la gagne pour choisir un monde. Al garde pour moi si le président pas même oublié choisir un monde pas là. Tellement il t'a pressé et l'exécutif la pas gagne un monde pas là donne. Moi, quoi que son CEP côté
madame la li et madame Chichon te gen deux demandes des pressions qui ont fait à président pour te dire que yon dit que li vle changement constitution, l'autre la dit li besoin élection. Comme président lui-même, c'est avec deux pro-consuls qui a travaillé. Ce n'est pas pour tête, ce n'est pas pour pays, ce n'est pas pour pays, c'est un service de qui est lié. C'est ça où il fait, il fait. Et il dit là-bas, tous les deux satisfaction. Parce que il y a un qui est à la Nation Unie pour avoir un rapport, ça a fait en Haïti. Et l'autre là, il a un rapport tout par rapport à l'élection américaine. Il y a tous les deux une satisfaction, ça veut dire que tous les deux un rapport positif pour bailler la caillou au détriment des pays, au détriment des peuples haïtiens. Ça veut dire son CEP monnaie. On croit que le président lui tue CEP à depuis le faire parce qu'il y a pile maman ou bien papa qui compte faire petit de tuer. Le tuer CEP à l'installer sans prestation seulement. C'est pour la première fois ça fait dans le pays. On croit que tout le monde est en clair. Pas gagné. Qu'on rien nous capable faire non seulement avec le président Jovenel Moïse, voire pour nous parler de CEP. Ça pour nous-mêmes, c'est un CEP monnaie et c'est diversion ou bien c'est amusement que le président créé pour bailler pays, pour bailler pays, pour bailler la presse, pour bailler dirigeants politiques, les créer un bagage pour nous amuser nous pendant la fin l'autre calcul pour nous l'autre amusement toujours parce que chaque semaine, il y a un amusement pour nous oublier. Et à nous, pour nous oublier dans qui misère nous, pour nous oublier situation nous, pour nous oublier insécurité, pour nous oublier grand goût, pour nous oublier chômage, pour nous oublier manger qui pas dans l'assiette nous, et pour nous oublier l'amour mettre mon feuille d'oval. Donc c'est amusement, distraction que le président crée pour nous. Chaque trois semaines, il a créé une distraction pour nous. En temps dans trois semaines encore, qui l'autre forme de distraction qu'il peut créer, by peuple haïtien, by la presse, by dirigeants politiques. Et ambassade là qui était fort tweet, qui était menacé moun, et depuis après tweet ça, il y a plus de monde qui sorti, il y a un petit relâche. Franchement, bon côté opposition, comme quoi il t'a pris pression. Nous-mêmes, nous ne croyons pas dans le visa, nous ne croyons pas dans la pression qui a été facile. Moi-même, si on ne peut pas empêcher mal les secs à Cavajal, ou pas empêcher mal les démarrages, la braquette dans la section communale et dans le plateau central, nous ne croyons pas ça inquiéter nous parce que le visa, c'est un coup de zikeli. Voilà, c'est ancien député Aodo bien-aimé. Nan micro Ketia Jean-Pierre Taylor, responsable politique et juridique KNVA, M. Alix Compa, dénoncé décision gros point quelques grands serviteurs dans Confédération nationale vaudouise en prend pour et vous voyez mon à représenter dans conseil électoral provisoire. Selon M. Compa, pas de grand consensus dans secteur A pour te choisir qui que ce soit pour aller représenter KNVA dans conseil électoral. Dans l'interview de Radio Kiskeya, M. Alix Compa a déclaré qu'il saisit tendez Mambo Evoni Georges Auguste dit qu'il a choisi Madame Nan de façon démocratique. Responsable politique et juridique KNVA a estimé président Jovenel Moïse utiliser une stratégie faire secteur aux promesses, job pour le capable craser au plus bien. Selon M. Alix Compa, KNVA pas reconnaître KEP ça parce que li dit li illégal. N'attendez M. Alix Compa dans micro Vinner Joseph. Racine de Mex Vodouté, Créauté, n'est pas la question de la CEDS. Nous avons des hier sur la Jukiskeya, nous avons des membres revenus qui sont membres pour dire que nous avons tout de même, avec la même grade et titre. Ça fait une pitié. Mais je comprends que vraiment, le président Jovenel, il compte ça la tira parce qu'il connaît l'air de Jean Bagay. Il est capable vraiment de contourner le monde, by moon off. L'autre semaine, il va aller voir le premier ministre, il va créer un cabinet ministériel, ou capable d'initiative pour faire jouer le monde. Pas d'aucun consensus de l'homme avec le secteur, vous avez choisi madame. Maintenant, comme madame son mambo, là, au mambo, quand vous voulez à vos grands, c'est l'association de vos dirigeants de la Grèce, que moi-même, je donne comme dirigeant KNVA. Nous sommes un consensus. Pour que vraiment nous pas vraiment étions derrière sous pied frère, sur nous bien frère nous, en se produisant, mais pour toujours faire nous pas nous confesser sur tout. Est-ce que vous dites que Vaudou a pas reconnaître conseil là ou bien on partit dans Vaudou a pas reconnaître conseil électoral là, puisque nous représentons? Est-ce que M. Alix Compa pas participer comme vaudouisant dans le choix, madame, non, pour de nous représenter secteur A dans le conseil électoral? Comme dirigeant KNVA, moi, dans le même jour, je vous vendais du soir, je vous dis que sur la radio, je dis, mais quand je représente à Vaudou. Et là, si je donne à Vaudou, celle-ci, le gouvernement de presse qui a fait sortir. Sorti et même pas de somme consultation, pas de comme ça. Est-ce que l'anti-national là, par là, dans la savoir, M. Calan Rudemonde, et Mambo Evonne Auguste,
Est-ce que vous n'avez pas de contact dans le cadre? Calendrier de monde, c'est toujours Actu National. Maman Evoni, Jean-Jogus, c'est toujours grand serviteur. Mais décision pas prendre avec degré de monde, décision prendre avec toute organisation qui fait partie de la calendrier. Décision prendre avec le grand serviteur. Bon, je suis membre. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une division au niveau secteur vaudou après désignation représentant nous dans le conseil électoral provisoire? Ordinairement, puisque pas de entente, même parce que c'est pour grand serviteur qui a été saisi, je carré que moi-même pas au courant, mais en plus, mon grand serviteur qui a été même avec moi, il n'y a pas au courant, et moi-même pense que n'importe quoi, il n'y a pas au courant. À ce moment-là, si vous avez une division, quelle division fait la bonne pour la nation? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de quitter mon dirigeant pour ne pas tirer, tirer, miette. Là, on fait un petit diop et puis on pourra dire l'année, j'ai oublié. Pays à voir. Il y a une proposition qui va être dans ce sens-là pour avoir un poste dans le cabinet ministériel, dans la direction générale. Non, mais c'est le fonctionnement président Jovenel. Fonctionnement président Jovenel, l'entrée des secteurs, la seule secteur pas capable de conduire ça, il offre le bas au promesse. Il va aux promesses qui bat jamais à terre. Il va aux promesses qui bat jamais à terre. Mais l'un des gens, je suis dans aux promesses. Et c'est contre avec le journal à la juste. Et maintenant, je vais vous engager en plus que le monde n'a pas conseil électoral, le 9. Et action que le monde a fait, 9 mounts a toujours besoin de secteur, ils ont accepté pour que Paris National pour installer le secteur national par le place à voir, ils ont commencé à faire un outrage à la magistrature. Et on traite le magistrat de la Cour de cassation, même si t'as de bons conseils, nous ne sommes pas obligés de garder le vote. Voilà, c'est Maître Compas qui t'a parlé comme ça, dans le micro, Vinaire Joseph. Maître Alex Compas, c'est conseiller et politique et juridique KNVA. Soubelle, plusieurs citoyens qui parlaient à Radio Kiskeya continuent de dénoncer Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui n'en tête. Regroupement association bandit relégé 9 qui pas suspend tirer coup d'âme sous yo dans zone nan depuis après opération avarie était organisée dans date 31 d'août qui se passé là d'après ça yo dit et yo même qui était obligé quitter Kayo parce que yo victime yo t'a pris refuge dans zone poste machin ou bien dans l'église Notre-Dame perpétuel secours et citoyen ça yo déclaré yo pas quitter la Kayo pour bandit et qui jeune support pour voir tête caléa et qui voulait pour détruire zone Bel Air et pour y capable faire soi-disant élection. Yo même sous Bel Air, yo pas dans élection ak Jovenel Moïse qui baille une équipe en exam ak munition d'après ça dit pour terroriser population sous Bel Air et empêcher pour vivre dans la paix. N'a pas de quelques nèg te parler comme ça dans micro Amos Breville. Et nous même nous disons pas bavé parce que belle c'est nèg noté nèg nous demande belle nous pas jamais bien ça nous pas gain chef c'est ça barbecue veut faire nous même nous pas prendre barbecue parce que nous pas belle vague pour barbecue il va continuer attaquer nous ou bien tirer à fond camper bon tout autant nous même nous pas gain en solution avec barbecue nous pas tirer ça pas jamais camper parce que finalement barbecue c'est belle l'attaque la police pas pour nous concours bon finalement la police même lui connaît qui joue lui ensemble avec barbecue lui fait barbecue chef lui bal toute autorité et puis permettre l'a dévoyer nous dans ghetto avec Jovenel tout pas bien la paix dans le quartier populaire. Tout est un Jovenel là, sur la stabilité pour les bandits pour venir qu'il y ait dans notre pour camper l'élection. Et nous mettons Jovenel, nous parlons dans l'élection avec elle. Et comptez mal, parce que l'élection n'est pas venue faire pour mettre nous en là. Nous n'étions pas Jovenel là, nous sommes dans avec le gouvernement, pas bien l'élection dans le pays avec Jovenel. Nous faisons poser malaise dans le Bel Air. Nous avons voté chaque matin, nous avons voté dans le monde, nous avons pris humiliation. Je ne dis à Bel Air, si pour l'élection faite comme ça, pour le président passer par Genève, il dit, le Kaba, pays écrasé. Son Genève qui voulait pour déstabiliser tout ghetto là, qui part avec le gouvernement. Il dit, GPEP, Gabriel Gabriel GPEP, bel air pour gagner. Nous avons gagné. Moi, attendez, Jovenel Moïse, il y a un paquet de cop pour nettoyer Bel Air, parce que je dis comme ça, n'importe quel 17 octobre, il y a un bel air pour le passé, pour l'album rouge. Mon cher, il y a beaucoup de gens qui ont fait. Et sous un trait, nous, pas chine, ça va passer là. Parce que monsieur là gon volume comme il a presque 20 doum balan ba pa ki la chaque les monsieur vient tirer sur monde barbecue a vient faire couverture là nous même pour pas comment va bandi que masse gaz comment bandi fait gilet la police solide comment bandi fait uniforme la police comment faire la marche la machine blender la police même barbecue criminel bandi trop on ca face bandi barbecue criminel trop si on gagne toute bagaille ça yo qui côté sorti bien bien vous bien bien car la famille n'a prendre nous pas quitter zone pour pas qu'un gros bandi que junior qui mettez commissaire
dans la police. On bon ça place commissaire. C'est bon ça place commissaire ça là qui dit commissaire lié. Commissaire devant ça devant presse. Et ça le bagarre à l'abri là, réponse là. Devant les pas abri dans ghetto là. Non pas chez là. Attends c'est police, ça va te faire c'est tiré. Imagine on ti mon ça quand on est à l'école. Là à l'école. Mais c'est bon puis du Panama qui va en côté pour on va perdre année là. Mais belle pas fonctionner, ni c'est pas pas fonctionner. Tu as dit non ça va faire. Pas chance. Tout pas comme la police va être son chat de débat de programmé. Les nègres viennent là, ils viennent pas qu'ils viennent mettre barre comme on va la cali. Ti bébé. La caille ti bébé a créé les gros voyer gaz à mettre. Nègre merci. Depuis tout le monde on va ca contrôler moun yo tout. Depuis tout le monde yo tout boulé nan di fè. C'est dit ou même qui perd di fòmou là, yo tout boulé fòmou. C'est dit pendant yo même pou di fè nan kay la. Y a bay bal kay la balou. Pou moun n'a pas sorti. Voilà, citoyen ak citoyenne sou Belè nan micro Amos Breville qui rappelle nous 31 d'août qui saute passé là, te gen avarisson qui te fait sous population Belè jusqu'à présent toute activité bloquée dans zone ça, côté moun yo pa ka louvri ti boutik yo, marché pas fonctionner, l'école et en pile moun obligé abandonner kayo pour y aller rete l'autre côté dans l'autre quartier. Et c'est pas premier quartier populaire Jimmy Cherizier à la barbecue attaqué et détruit en bas coup de zam et tout ça moun yo gagné met du feu dans kayo et nous ka cité Tokyo dans zone grand rue et c'est Zeb qui levé dans zone ça et ou gagné cité Vincent dans la Saline Rui Maya côté pifo kayo yo boulé yo d'après ça reporter nous Amos Breville précisé. La Chine célébrer jeudi à 71e anniversaire depuis que Mao a créé Chine populaire et ben c'est occasion tout pour minorité qui a vivre dans pays la Chine et qui en bas répression manifester ou bien bénéficier de solidarité internationale tout partout sur planète là pour dénoncer violence régime Pékin a fait contre minorité lieu tant qu'on en ville tant qu'au Paris un rassemblement qui était prévu pour être fait après-midi à même pour dénoncer façon gouvernement chinois a tout founan minorité ouïgoulon et tibétain yo et hongkongais yo ou bien taïwanais. Et mobilisation ça il prend plusieurs formes là dedans tout publié dans journal et diverses personnalités écrit dans journal Libération en France et mandé communauté internationale là pour agir contre crime contre l'humanité gouvernement chinois a fait parmi signature ou joindre député qui est à Bagnères parti socialiste Raphaël Glucksmann qui c'est petit philosophe André Glucksmann et acteur Omar Sy écrivain Salman Rushdie ou bien économiste Thomas Piketty yo tout yo signé des tribunes pour dénoncer Jean la Chine a craser minorité la Kaili. Et selon André Galotin, sénateur et puis coprésident Alliance interparlementaire sur la Chine, il dit que faut que nous pas oublier qui mac fabrique régime chinoise dans il pas dans respect droit monde et d'après lui-même plus ou connaît la Chine plus c'est deux bon maintenant tête pour moi-même. Franchement, son régime totalitaire d'après ça dit, il rappelait il te fait scandale dans un magazine, elle te dit que quatrième Reich c'est dans la Chine n'a sorti, il était couru d'elle mais il dit en vérité je dis nous nous version 2.0 donc dictature post-communiste autoritaire à contrôle total moun ak identité moun ak nouvelle technologie. Alors c'est toute minorité a décidé pour faire tête ensemble, pour manifester pour faire tant de voix et n'a essayé créer mouvement ça un mouvement de masse et pour que moun yo capable sortir dans silence d'après ça Yann Ke expliquer qui c'est même association étudiant pour un Tibet qui libre et il dit que gen nan peuple yo et journée jodi a cap disparaître gen l'autre mémoire yo a effacer parti communiste chinois a éliminer yo moi penser que c'est en tant que nous tout mettez ensemble nous capable vraiment faire bagay yo bouger. Organisateur journée mondiale ça contre la Chine et mandé et consommateurs pour pas acheter produits chinois ça très difficile parce que je suspecte que grand pile là-dedans et c'est de minorité tant qu'ou igouro moun et qui a fait travaux forcés yo forcé pour faire produit ça yo alors que gen 83 multinationales qui concernaient dans question production ça yo qui a diffusé produit ça dans le monde entier.
manifestation faite dans Turquie, manifestation faite plusieurs côtés sous planète Nord pour dénoncer situation en pile minorité dans pays la Chine. Dans une conférence pour la presse, responsable CNEA Quinton Louis fait bilan une année depuis le rivé, il dit comme directeur dans tête institution publique ça monsieur Louis déclaré CNE attaquer problème Fatra n'a cité qui présent dans capitale là ak dans zone sous côté lio directeur CNEA dit il déjà déposé une loi cadre dans ministère bon pas qu'il y a une loi cadre par un parlement dans ministère travaux publics là un document administratif qui permet CNE travail puis bien n'attendait Quinton Louis un pilier pouvoir tête caléa qui t'ai parlé comme ça dans conférence pour la presse à côté Amos Breville t'es présent pour Radio Kiskeya. Le nous rivé ici en CNE nous t'ai joindre CNE pas de gagnien loi cadre administration que m'a dirigé en rapide jodi a doté CNE de un loi cadre et loi cadre ça li déposé dans ministère travaux publics pour que li capable faire suite administrative. Nous doté CNE de un manuel de procédure administrative. Ça veut dire que administration nan li fait de CNE définitivement une institution qui debout. Le nous rivé ici en nous t'ai joindre en pile revendication en pile plaignant parce que employé yo pas satisfait de salaire gagnent des techniciens ici hein, qui te gagnent un salaire très misérable de 9000 gourdes 10000 gourdes etc. Grâce à dynamisme grâce à savoir-faire administration que m'a dirigé a nous rivé joindre cob et nous fait ajustement salarial et jodi a n'a travail pour que nous capable permettre employé CNE yo vinn effectivement OK des employés de l'État. N'a travail pour que nous rivé nommer en dedans CNE tout employé qui qualifié et processus ça en cours et m'a dit employé yo première avenue, deuxième avenue, troisième avenue, quatrième avenue, bicentenaire, vous songez dans qui établit bicentenaire bloqué etc. Mais programme ça avec CNE technicien CNE yo te débloqué et rendre circulation rend la vie retournée. Nous travaillons la saline et nous fait plusieurs interventions en dedans marche et je dis grâce à l'intervention CNE, il y a amélioration, mais le travail a beaucoup fini. Et nous avons continué parce que nous n'avons pas campé dans la route, parce que nous-mêmes nous déterminés pour nous attaquer Fatra en deux dans le pays. Nous intervenons sur Grand Rue, Rue du Quai, Rue Oswald Durand, Rue de l'Enterrement, Rue Monseigneur Guillou, Tête de l'eau, en Pétionville, après passage cyclone, là, CNE est intervenu. Maïgaté, Claircine, Renfourita, et jodi à côté de la palais là, nous travaillons Croix des Bouquets. CNE fait intervention déjà Croix des Bouquets, mais ce n'est pas suffisant. Jodi à encore, nous Croix des Bouquets, nous travaillons pour le peuple, nous travaillons pour la population Croix des Bouquets. Pendant la période mois juin, rivé juillet, CNE enlevé 14 700 m3 Fatra pendant 20 jours dans la zone métropolitaine. Pendant le mois d'août, nous enlevé 6 920 m3 Fatra pour une période de 8 jours. Pendant le mois septembre, nous ramassé 14 980 m3 Fatra pendant une période de 15 jours. Pour les mois juillet, juin, août et septembre, nous enlevé 34 600 m3 Fatra sur une durée de 33 jours. Chiffre ça yo, c'est des chiffres qui montraient volonté réelle CNE pour attaquer Fatra. Parce que li pas normal en dedans pays pour que moun ap marché ap vivre sur Fatra. Et CNE comme une institution, l'État, nous prend responsabilité. Nous. L'État à travers CNE ap attaquer Fatra. Gagne pile dossier en dedans pays qui mérite attaquer. Mais nous même CNE nous choisit attaquer dossier Fatra parce que peuple haïtien pas capable vivre Fatra. C'est ça que fait m'a profité n'a continuer travail pour que technicien nous yo capable beaucoup plus performant parce que n'a cherché formation, n'a cherché séminaire pour yo soit dans pays a soit dans pays étranger. Voilà, c'est directeur CNE connaît que c'était pour centre national équipement pour intervenir faire grand travaux d'être on l'a sous prévalité même des pigo compagnie comme ça qui existait dans Caraïbes là. Et pour construire route pour faire des enclavements gon l'autre pensais c'était SNC GRS quoi qui était supposé là pour ramasser Fatra de toute façon Fatra fait mon explication et dans prochain journal n'attendez employé CNE te profiter présence la presse pour demander pour payer 7 mois perdu IM et te participer dans caravane et de fin caravane changement Jovenel Moïse non et qui gaspille un bon l'argent administration publique là qui pas ba aucun résultat donc employé CNE ça te mauvais coucon yo t'a demandé pour toucher et dans prochain journal tout na vienne avec activité célébration et moi langue à culture créole là académie créole haïtien aka
lancé journée jeudi à Port-au-Prince moi langue à culture créole là pour année 2021 thème nan c'est langue créole c'est gardien héritage culturel nous c'est vice-président AKA France Grandois qui te prend la parole pour te bailler détails concernant activité yo qu'a fait tout partout dans pays hein. Et puis gen madame Luna Gourtou secrétaire exécutif Académie créole là et qui parlait de activité qu'a fait pendant moi activité ça pour marquer culture ak langue créole demain à retourner ak plus information dans prochain journal rete sou radio Kiskeya pour ce programme nous dit tout monde bonsoir pas oublier chaque soir à 9h nous gen rendez-vous ak information sur télé Kiskeya chaîne 14 digital 65 et puis prochain rendez-vous ak information demain matin 6h nouvelle la souraille 7h journal alternatif nous dit tout monde bonsoir na demain.